Bonjour à tous pour cette conférence qu'on vous propose aujourd'hui dans le format webinaire, une conférence qui s'appelle Transformation managériale et digitale, passer le cap, qui va être animée par François Badénès de la Fabrique du Changement avec appui de Thomas Biro. Donc je suis Karine Amiot, conseillère formation à la PFRH, plateforme interministérielle d'appui à la GRH au sein du SGAR, et avec ma collègue Anne-Laure Guilherme, chargée de mission innovation publique, nous souhaitions introduire cette conférence, déjà pour vous accueillir. Nous allons être petite 80 personnes environ ce matin. Et puis, on voulait vous donner aussi quelques éléments de contexte. J'en profiterai pour terminer, pour vous donner aussi la manière dont on va fonctionner sur ce webinaire. Alors, sur la partie contexte, cette conférence, elle était à l'origine prévue pour être une conférence en présentiel. Et elle était programmée début novembre pour introduire le mois de l'innovation publique dans les Pays de la Loire. Le format était forcément repensé. Mais comme on va parler beaucoup d'agilité avec François aujourd'hui, on s'est prêté au jeu de l'agilité et surtout François qui acceptait de revoir le format. De toute façon, le sujet de la transformation des organisations et des transitions reste un sujet d'actualité. Donc, c'est plutôt une conférence finalement de clôture du mois d'innovation publique. François va interroger la question du sens de ces transformations pour comprendre les transitions en cours et les transitions à venir. Et il joue avec le titre de sa conférence Passer le cap sur l'acronyme CAP, Créativité, Agilité, Plaisir. Mais CAP, pour nous, au SGAR des Pays de la Loire, c'est aussi autre chose, n'est-ce pas, Anne-Laure? Merci Karine. Donc bonjour à tous. Anne-Laure Guilherme, chargée de mission innovation publique, notamment au SGAR Pays de la Loire. Donc en effet, CAP, pour nous, ça veut aussi dire construire l'administration des Pays de la Loire de 2030. Petite ambition, n'est-ce pas? Mais tout ça pour vous dire que nous avons été lauréats d'un appel à projet national porté par la DITP, donc la Direction interministérielle pour la transformation publique, pour mettre en œuvre cet objectif CAP 2030. Donc, qu'est-ce que c'est CAP 2030? C'est en partant de constats qu'on partage tous, hein, à savoir l'évolution de l'attente des citoyens vis-à-vis de l'administration, des faiblesses structurelles qui sont les nôtres en termes d'outils, notamment d'équipements, d'hétérogénéité des environnements de travail et des potentiels inexploités en interne. C'est à partir de ça comment on accélère la transformation de l'État en région Pays de la Loire. Donc avec trois axes que je ne vais pas détailler parce que je vais laisser place à la conférence, mais que je voulais vous expliciter rapidement. Un premier axe sur la transformation numérique des services de l'État. Donc autour des enjeux de dématérialisation, d'intelligence artificielle, d'archivage numérique, de nomadisme et d'environnement de travail de l'agent de demain. Donc tout ça, bien sûr, au service toujours des usagers et des agents publics. On améliore tout ça. Le deuxième axe, c'est la transformation managériale. Donc pour inscrire toutes nos transformations dans le temps long, donc au sein de nos managers, de nos top managers et de nos agents. Et le dernier axe, c'est la transformation des méthodes qui sont les nôtres pour concevoir l'action publique. Donc, pour faire simple, c'est le faire avec, donc toutes les méthodologies participatives, le design de service et l'intrapreneuriat. Donc, comment on donne envie aussi aux agents publics d'être acteurs de leurs propres solutions. Donc, voilà, CAP pour nous, c'est l'administration de demain à horizon 2030. Avec 22 actions pour le moment sur les 3 prochaines années. Donc, on est à votre disposition par la suite si vous voulez en savoir plus. Et je rends la parole à Karine sur la suite. Merci Anne-Laure. Donc c'était important de vous expliquer un peu dans quel contexte aujourd'hui et au SGAR des Pays de la Loire on envisage aussi d'accompagner ces questions de transformation et de transition. Sur les modalités, donc on a choisi ce format de webinaire. Donc bien entendu, donc aujourd'hui environ 80 personnes vont suivre cette conférence. On ne pouvait pas vous donner accès au micro. Par contre, vous avez un chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, de faire vos remarques sur le chat. Dans l'équipe de ce webinaire, donc je vous ai dit, donc
François, bien entendu, va animer le webinaire, mais Thomas aussi est là pour apporter déjà quelques éléments de réponse à travers le chat ou vous dire que les remarques que vous allez pouvoir formuler, elles seront reprises peut-être à un moment ultérieur dans la conférence. Il est prévu aussi un temps de pause. Alors, un temps de pause dans le cheminement que François va développer, environ 45 minutes, un petit temps de respiration, mais qui sera aussi l'occasion de faire un retour sur vos questions et que François puisse apporter des réponses pour repartir sur un deuxième temps de conférence. Le webinaire est enregistré, donc toutes les personnes qui sont inscrites recevront demain ou en fin de journée un lien pour pouvoir télécharger le replay. Voilà, donc aujourd'hui, 80 personnes, comme je vous le disais, des collègues de la fonction publique d'État des Pays de la Loire en première intention, mais aussi et plus largement des trois versants de la fonction publique, et de l'Hexagone, voire même Outre-mer. Donc, on vous accueille tous avec grand plaisir. Aurélie, que vous ne voyez pas, Aurélie Couturier du SGAR, est là aussi pour nous aider et surtout pour vous répondre aux petites questions techniques de connexion et autres petits soucis que vous pourrez avoir. Donc, merci aussi à Aurélie. Voilà, sans plus attendre, je donne la parole à François. Merci à tous et bon webinaire. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Bienvenue à nouveau dans ce webinaire. Alors le format effectivement va pas forcément permettre beaucoup d'échanges et je ne vous vois pas, donc c'est un peu une première pour moi, mais donc je vous remercie de votre indulgence par avance voilà sur cette adaptation d'une conférence qui est normalement en live, mais voilà, je suis sûr que ça va bien se passer. Et ce que je vous propose, c'est d'embarquer avec nous en fait dans cette camionnette là qui est à l'écran, ce van de l'intelligence collective et des nouvelles façons de travailler, parce qu'on va échanger ensemble pendant 1h30, 2h autour des nouvelles façons de travailler, des transformations, de la conduite du changement, de l'innovation RH, de l'innovation managériale, tous ces grands mots et ces grandes formules qui finalement recouvrent des réalités faites de bon sens et de plein de retours d'expérience que je vais essayer de vous livrer. Moi, j'ai un objectif, c'est que vous repartiez à l'issue de cette conférence avec des vitamines mentales. Donc, je crois qu'on en a tous besoin en ce moment. Et puis, des envies d'expérimenter des choses en vous montrant, je l'espère, que un, c'est possible, que ça existe déjà ailleurs, qu'il y a plein de bonnes pratiques qui peuvent nous inspirer. Donc, voilà, inspiration, vitamine mentale, c'est un peu le leitmotiv pour moi ce matin de vous transmettre ça en parlant de ces sujets de transformation qui sont à l'œuvre et qui sont encore accentués par le contexte actuel, mais qui sont pas des thématiques très nouvelles. Nous, ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'on accompagne le changement et les transformations dans le public comme dans le privé. Et pour vous dire un tout petit mot de mon propre parcours, je suis sociologue de formation. En l'occurrence, j'ai fait un master 2 de sciences politiques à Bordeaux avec notamment un certain Pierre Bourdieu, ça vous dit peut-être quelque chose. Et puis, je suis par ailleurs entrepreneur. J'ai eu aussi le bonheur de travailler 10 ans dans le secteur public à l'assistance publique Hôpitaux de Paris comme directeur de la com d'un hôpital, l'hôpital Laennec, qui n'existe plus aujourd'hui, mais surtout travailler sur la création de l'hôpital européen Georges Pompidou. Donc, c'était déjà de la conduite du changement, en fait, et sauf qu'on mettait pas ces mots-là à l'époque. Et puis, dans le développement économique, à l'Agence de développement économique de Nantes, et puis à la région des Pays de la Loire, où j'ai fait du montage de projets européens. Je vous dis ça pourquoi? Pour vous dire tout simplement que je connais un peu les mécaniques et les fonctionnements et organisations publiques, au moins en tout cas celles du domaine de la santé et des collectivités locales. Voilà, et j'ai donc grand plaisir à être avec vous ce matin, parce que je pense que vous êtes tous mobilisés en ce moment et depuis quelques mois déjà très fortement. On est tous impactés dans le privé comme dans le public, dans nos façons de travailler, et c'est un peu notre cœur de sujet. Alors pour commencer, je vais vous demander de, si vous voulez bien, de témoigner sur le chat de façon très simple, quel serait un peu votre niveau d'écologie personnelle aujourd'hui. Ce petit visuel que je vous présente à l'écran, c'est quelque chose qu'on utilise nous à notre réunion d'équipe tous les lundis matins pour communiquer et partager sur notre état d'énergie. Ça va un petit peu plus loin que la météo personnelle, c'est vraiment dire aussi voilà le moral et le niveau d'énergie corporelle qu'on peut ressentir. Donc ça va de A,
je vais super bien, j'ai une patate de forain, donc c'est une formule pour s'amuser, vous vous en doutez, jusqu'à j'ai l'alerte rouge, là on est pré-burnout ou voire en pré-burnout, et l'idée c'est que, pour ceux qui le souhaitent, il n'y a pas d'obligation, évidemment, vous puissiez donner la lettre dans laquelle, l'état d'esprit dans lequel vous vous sentez. On mesure pas une vérité, on mesure des ressentis, des perceptions, et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous arrivez ce matin et dans quel état mental, sachant que l'objectif, c'est de vous faire gagner au moins un sur cette échelle-là, et en tout cas qu'on soit tiré vers le haut, je l'espère. Vous verrez que pendant ma présentation, vous aurez régulièrement des petites citations. On aime bien les citations à la Fabrique du Changement. On en fait même des affiches que vous pouvez d'ailleurs récupérer gratuitement sur le web. On vous donnera des liens tout à l'heure. Voilà, je les commenterai pas, mais elles rythmeront mon intervention. Alors, de quoi parle-t-on ? Eh bien, on parle de beaucoup de gens et de beaucoup de cadres ou non-cadres d'ailleurs aujourd'hui qui se sentent lost in transition. C'est un petit clin d'œil à l'excellent film avec Bill Murray, Lost in Translation, donc perdu dans la transition. Ben oui, il y a de quoi. Vous voyez, ce slide, je l'utilise depuis 8 ans déjà. Cette conférence a 8-10 ans et a beaucoup évolué avec le temps, comme vous vous en doutez. Mais le fait de se sentir perdu par rapport aux transitions ou aux crises systémiques que nous traversons, c'est pas un phénomène nouveau. Et il y a objectivement en ce moment beaucoup de collaborateurs et notamment de managers qui se sentent perdus. Ils ont du mal à le formuler parce que c'est pas toujours dans notre culture de reconnaître qu'on se sent un peu perdu. Regardez d'ailleurs combien de temps ont mis les autorités à accepter l'idée qu'ils ne savaient pas tout et que dans le contexte actuel, voilà, répondre je ne sais pas, c'est pas facile, mais c'est au moins honnête et authentique. Donc quand on ne sait pas, autant le dire, parce que il y a de quoi être un peu perdu quand même en ce moment. C'est pas nouveau, par contre. J'ai retrouvé il y a pas longtemps, c'est un album vinyle chez moi de Supertramp, groupe que vous connaissez, je pense, au moins de réputation pour les plus jeunes. Cet album qui date de 1975 avait cette couverture assez formidable qui s'appelait Crisis What Crisis, crise quelle crise. Et je trouve cette couverture, cette pochette d'album un peu prophétique par rapport à toutes les inquiétudes qui traversent la société actuellement, et notamment les façons de travailler autour des enjeux de transition sociale, digitale, la question environnementale, bien sûr, qui est de plus en plus prégnante. Bref, on voit bien que on n'est pas finalement dans une crise, mais dans un ensemble de crises systémiques avec des transitions multiples, et on n'a pas forcément été préparé et formé à ça, et notamment formé à appréhender cette complexité des crises. Or, c'est vraiment sans doute un des travaux qu'on a à faire, c'est d'accepter les facteurs d'incertitude et d'accepter le caractère systémique des crises auxquelles nous sommes confrontés. On n'a pas de choix de toute façon. Donc, embrasser la complexité, c'est déjà peut-être avoir fait le deuil d'une seule crise et accepter l'idée qu'on est dans un changement de cycle profond, qu'il va y avoir pas mal de bouleversements dans les années qui viennent, notamment dans nos organisations et dans notre rapport à l'écologie, à l'organisation, au travail, au management, etc. Pour éclairer le propos, je partage avec vous quelques chiffres clés. Alors, c'est une monographie. Les chiffres clés là que je vais vous donner c'est le fruit d'un travail et d'une collaboration avec le laboratoire de sciences sociales de l'Université de Nantes et notamment une stagiaire de Master 2 qui avait fait ce travail de mise en lumière des chiffres. Toutes les sources des chiffres sont citées en bas, mais vous l'apercevez peut-être sur le PowerPoint, mais sinon, en tout cas, rassurez-vous, tout ça est sourcé. Les chiffres, voilà, que je voulais commenter surtout, il y en a trois principaux. Il y a le niveau d'engagement des salariés en France qui est absolument catastrophique aujourd'hui, et ces chiffres-là datent d'il y a 3 ans. J'ai pas les compteurs à jour 8 mois après le début de l'épisode Covid, mais je pense que ça va pas forcément mieux. Et en tout cas, on a un niveau d'engagement des collaborateurs français qui est très bas, qui est un des plus faibles des pays de l'OCDE, avec 94% des Français qui se sentent aujourd'hui désengagés, c'est-à-dire qu'ils sont pas très motivés pour aller au boulot le matin ou qui ont perdu un peu le sens de leur travail. Donc c'est un chiffre un peu inquiétant. On mesure encore une fois là des perceptions, hein, ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue, c'est fluctuant dans le temps, mais par contre c'est intéressant de se comparer aux autres pays et de voir quand même qu'on est très loin d'un certain nombre d'autres pays de l'OCDE et qu'il y a sans doute, c'est sans doute le symptôme de quelque chose.
Un autre symptôme qui est assez affligeant, et alors là qui est très particulier, je pense, et j'y reviendrai à plusieurs reprises pendant cette conférence, c'est le temps qu'on passe en réunion. 16 ans de la vie professionnelle pour un cadre français passé en réunion. Et alors, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que c'est 18 ans dans le public. 16 ans dans le privé, 18 ans dans le public, à comparer par exemple avec 10, 11 ans dans les pays scandinaves en moyenne. Ça veut dire qu'on passe beaucoup trop de temps en réunion. Ça ne veut pas dire que toutes les réunions ne sont pas utiles. Bien sûr qu'on a besoin, et on le mesure bien en ce moment, de sociabilité, de temps d'échange, etc. Mais ça veut dire globalement qu'on, et vous le savez, que les réunions sont mal préparées, qu'elles sont souvent mal animées, qu'il y a souvent beaucoup trop de monde, qu'on n'arrive pas à dire non, que culturellement, on a quand même un vrai point de progrès autour de la réunionite. Le débat n'est pas nouveau. J'entendais déjà ça il y a 25 ans quand je travaillais à l'hôpital de la Hennec. Et je constate que ça n'a pas forcément beaucoup bougé, même si, et heureusement, il y a de plus en plus de méthodes de facilitation qui commencent à arriver. J'en reparlerai tout à l'heure. Une autre statistique qui me semble importante sur nos façons de travailler, qui interpelle nos façons de travailler, c'est le temps qu'on passe sur les mails. Donc là, on s'est mis vraiment un boulet au pied avec le numérique, et je prends ma part là-dessus, puisque je suis l'un des cofondateurs de la cantine numérique de Nantes. J'ai beaucoup évangélisé autour de moi sur les usages numériques pendant 20-25 ans, et aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut absolument revenir à un usage plus raisonné, plus raisonnable, parce que passer 5 heures de sa vie quotidienne sur les mails, c'est-à-dire quand on n'est pas en réunion, en gros, on est sur les mails, quelquefois d'ailleurs les deux en même temps, 5 heures par jour sur les mails, dont 20% seulement sont utiles. Donc là, sur les mails, il y a des points de progrès très, très forts, surtout quand je vois des gens qui s'envoient des mails, alors que quelquefois, ils sont à 15 mètres les uns des autres, et que je vois le ton monter, les spirales attaque-défense partir en live dans les mails, avec sous couvert de copie au chef à deux plumes, etc. Il y a un vrai travail à faire, peut-être, pour retrouver du bon sens, et se dire que tout ne peut pas être traité par mail, et que notamment quand il y a des arbitrages, ou que le ton commence à monter, ben, il vaut mieux se parler, se téléphoner ou se voir. Tout ça coûte de l'argent à la société française. C'est d'ailleurs assez hallucinant de constater que nos grands argentiers ne prennent pas en compte plus la prévention des risques psychosociaux comme source d'économie potentielle du pays, puisque tout ce bazar-là coûte quand même à peu près 108 milliards d'euros par an, soit 4,7% du PIB. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, c'est absolument énorme. Donc tout ça, c'est le coût du mauvais management qui génère de l'absentéisme, des burn-out, etc. Il n'y a que 25% de ce chiffre-là qui est lié à des arrêts maladies classiques pour des maladies plus classiques ou longues, etc. Le reste, c'est plutôt du ressort du psychologique et du ressort de la pression. Donc, ça coûte un pognon de dingue. Donc, le mauvais management coûte beaucoup d'argent. Donc, à ceux qui vous interrogent sur le retour sur investissement des démarches de changement, y a ces indicateurs-là, par exemple, qui doivent nous alerter. Heureusement, tout n'est pas gris non plus. Il y a quelques bonnes nouvelles. Et comme de par hasard, quand on travaille sur la conduite du changement et qu'on mesure les écarts avant et après un démarrage de mission, on se rend compte que si on travaille sur le bien-être des salariés, alors, petite précision sémantique, je ne parle pas de bonheur au travail, moi je parle de bien-être, de qualité de vie au travail. Le bonheur, pour moi, ça renvoie à d'autres choses plus personnelles. Donc voilà, je préfère le terme de bien-être au travail et de qualité de vie au travail. Un salarié heureux, comme de par hasard, quelle découverte, étant en moyenne 30% plus productif que les autres, 6 fois moins absent et 2 fois moins malade. Incroyable. Et oui, on est moins malade si on se sent reconnu dans ce qu'on fait et avec l'autonomie suffisante, etc. Donc, c'est des sacrés enjeux. Finalement, c'est pas un gadget de manager différemment. C'est un enjeu stratégique pour les organisations, pour motiver et renforcer l'engagement, et puis peut-être aussi tout simplement pour innover demain. D'ailleurs, en termes d'innovation, un chiffre que je trouve intéressant aussi dans ce slide, c'est le fait que ceux qui utilisent le mind mapping, les cartes mentales, je vais vous en reparler tout à l'heure, gagnent en moyenne 6 heures par semaine. Parce que l'excuse la plus formidable qu'on nous sert en permanence, notamment dans le secteur public, pour justifier l'inertie de ne pas innover ou de changer les choses, c'est l'éternel « j'ai pas le temps ». Alors le « j'ai pas le temps », j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'il faut vraiment le tailler en pièces, même si je sais que beaucoup sont objectivement débordés, qu'il y a beaucoup de travail en ce moment et beaucoup de mobilisation, surtout dans le contexte. Mais il y a aussi des méthodes de travail qui peuvent nous faire gagner du temps, c'est un petit peu ce qu'on va explorer.
On est par contre, j'en suis convaincu, dans un pays avec des choses qui me rendent moi optimiste, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de talent, beaucoup de créativité et une jeunesse notamment qui est un peu malmenée en ce moment. Vous le savez, il y a, je crois, vraiment des indicateurs de suivi de santé mentale, notamment des étudiants qui sont en train de basculer dans la précarité pour certains qu'il faut suivre absolument, parce que cette jeunesse, elle a soif de changement, elle a envie de donner du sens à son travail et je trouve très encourageant cette statistique que j'ai relevée, je crois, dans le journal Les Échos, il y a quelques temps, qui montrait que 54% des 18-25 ans ont envie d'un travail qui a du sens, et notamment de travailler dans l'économie sociale et solidaire, ou un métier qui a un sens social ou sociétal. Ben moi, j'ai envie de leur dire à ces jeunes que les carrières de la fonction publique et que travailler dans le public, ça peut avoir du sens. Et ça a du sens même intrinsèquement, on sert la cité. Voilà, je pense qu'il y a peut-être aussi un travail de repositiver l'image des carrières publiques auprès de cette jeunesse pour les attirer et les motiver. Et puis aussi s'interroger sur comment on va les fidéliser. Donc ça, c'est plutôt une stat importante. Et cette diapo vous montre en même temps le film En quête de sens. C'est un documentaire qui est sorti il y a quelques années, il y a 5-6 ans, qu'on a vraiment beaucoup aimé à la Fabrique du Changement, au point d'ailleurs d'avoir invité le réalisateur à témoigner à la Fabrique de Nantes il y a 3 ans, me semble-t-il. Pour vous dire quelques mots sur la transition digitale, alors autour du digital, beaucoup d'enjeux, bien sûr. Pour m'amuser un peu, j'ai retrouvé une vieille photo de mon premier ordinateur qui est en haut à droite. C'était avant même les Atari et les Amstrad et bien sûr les Mac. C'était un Oric. Un Oric, c'est sorti en 1982. Vous voyez, j'ai 54 ans aujourd'hui, je sors gentiment de l'adolescence et j'ai eu mon premier ordinateur il y a près de 40 ans. Ça, c'est pour ceux qui me parlent encore de NTIC, Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication. Leur rappeler juste que l'informatique a 70 ans, que le web a bientôt 25 ans. Bref, parler de nouvelles technologies, je crois que là, il faut passer à autre chose. C'est pas plus nouveau finalement que le pigeon voyageur ou le fax. Ça a à peu près maintenant les mêmes, je caricature évidemment, mais en gros, il faut surtout s'attacher à la nouveauté des usages et au suivi des nouveaux usages qui se développent. Et ces usages, ils sont potentiellement formidables. Donc moi, je continue de trouver que le média web est un outil extraordinaire pour collaborer, travailler des coopérations plus transversales, développer des nouvelles façons de travailler, dont le télétravail. On le voit bien là depuis 9 mois. Nous, ça fait 10-15 ans qu'on sensibilise les entreprises et les organisations au télétravail. Donc on boit un peu du petit lait en ce moment. Par contre, on boit du petit lait, sauf que on voit aussi des formes de télétravail qui sont pas celles qu'on a souhaitées. Voilà, un télétravail subi à 100% chez soi, etc. C'est des circonstances exceptionnelles. On en sortira dans quelques mois. Mais le télétravail, ça peut être aussi une alternance de boulot chez soi, dans des tiers-lieux ou dans des espaces de coworking. Voilà, c'est pas forcément à tout prix chez soi. En tout cas, ça se développe et le numérique nous permet ces formes d'organisation pour le meilleur et pour le pire parfois. Le numérique, c'est aussi le thème de l'entreprise collaborative, c'est comment mieux accéder au savoir et à la connaissance. Et le web, de ce point de vue-là, et on le vit ces derniers mois, est un outil formidable d'accès à la connaissance. Il y a plein de e-learning, le Collège de France a mis à disposition toutes ses vidéos, on peut assister à des conférences formidables, il y a l'Université de tous les savoirs aussi qui a mis tous ses contenus en ligne. Enfin, on a vraiment du choix pour se former, pour s'acculturer, pour être curieux, etc. Ce qu'il faut absolument, c'est valoriser les usages et choisir les bons outils. Et sur les choix d'outils, on en discutait juste avant de vous retrouver, il y a beaucoup à dire aussi. La transition digitale, c'est vraiment cette notion aussi de booster les usages vertueux, c'est-à-dire au-delà de ce que nous permet, de ce que nous permettent les outils en eux-mêmes, ben c'est d'imaginer aussi comment on va rendre ces outils utiles au service du collectif, par exemple en ayant des intranets collaboratifs. Un intranet collaboratif, en 2020, ça s'appelle un réseau social d'entreprise. Ça fait 10 ans que beaucoup d'entreprises et de collectivités ont mis en place des réseaux sociaux d'entreprise, d'autres pas, d'autres sont plus à la traîne. Alors je dis collectivités, c'est aussi vrai pour les services de l'État ou pour la santé et bien d'autres structures parapubliques. Voilà, on n'est pas tous au même niveau d'usage et de maturité d'usage. Très clairement aujourd'hui, l'intranet est quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être laissé aux informaticiens. Ça, je vous le dis droit dans les yeux. Ça fait 25 ans que j'accompagne des stratégies de transformation, s'appuyant notamment sur du collaboratif grâce au digital. Il est
très important d'associer DSI, DIRCOM, DRH, tous les acteurs concernés par les usages potentiels pour réfléchir ensemble à ce que doit devenir et ce que peut devenir le système d'information pour l'orienter vers plus de collaboratifs. Et puis peut-être imaginer aussi de se servir de tous ces petits outils qui gratuits la plupart du temps qui existent aujourd'hui. Par exemple, pour la communication interne, ne vaut-il pas mieux proposer des émissions en podcast, des chaînes vidéo avec des témoignages minutes du terrain. Voilà, ça me semble intéressant de réfléchir à ce développement d'usage pour favoriser le collaboratif. Et il y a un vrai, vrai travail d'accompagnement, de formation des agents publics autour de pour lutter contre l'électronisme, parce que ça c'est un vrai vrai enjeu, ne pas laisser du monde à la traîne. Et là on a la crise qu'on vient de vivre depuis 8 mois a révélé des niveaux de maturité assez dingues entre les structures, notamment dans le public, mais pas seulement, dans les entreprises aussi. Et pour le coup il y a eu un temps d'appropriation, et ce temps-là n'est pas fini. Je pense qu'il faut encore accompagner la maturité d'usage. Sur le digital, j'aurais aussi envie de vous faire part d'une alerte, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une autre pandémie mondiale, c'est celle de... Bonjour, rebonjour, je crois qu'on a un petit souci avec François, je ne sais pas si François nous entend. François, tu n'es plus à l'écran. Est-ce que les participants, vous me voyez, moi? Ah, Karine. Ah, alors. Il nous voit, je vous vois. Alors, on va essayer de régler le problème. Pardonnez-nous, je vais passer un petit coup de fil à François. Allez, voilà. Donc voilà, on t'avait perdu, François. Toc. Alors, je vais remettre mon PowerPoint, le partage d'écran, hop, toc, toc. Est-ce que vous voyez les slides? Est-ce que c'est bon? Alors là, on voit les... Tu m'entends ou pas? Là, c'est bon, on voit les slides. Ok. Thomas, on m'entend, ouais, c'est bon? Là, on m'entend pas. D'accord. Donc, j'en étais à la transition digitale et à une alerte que je veux vous donner. C'est vrai dans notre environnement de travail, mais c'est vrai aussi dans le domaine privé, dans nos tribus, avec nos amis, avec nos enfants, avec quand on est adulte référent autour de nous. De grâce, attention à revenir à des usages plus raisonnés et raisonnables des outils numériques, notamment de ce qu'on appelle les devices, tablettes, smartphones et autres. Voilà, parce qu'il y a aujourd'hui une vraie fracture civilisationnelle qui est en train de se faire, et surtout des stats assez effrayantes. En 10 ans aux États-Unis, le temps moyen de concentration est passé de 18 minutes à 8 minutes. Donc et ce temps-là n'avait pas bougé depuis 20 000 ans. Donc ça, c'est une première stat. Et puis, deuxième stat, sur les capacités cognitives des enfants, c'est effrayant. Perdre de la moitié des capacités d'apprentissage et des capacités cognitives des enfants de moins de 5 ans, dont près de 40% passent déjà une heure à peu près sur les écrans, à moins de 5 ans. Donc là-dessus, il y a des règles de bon sens. Même le CSA, d'ailleurs, communique en ce moment pas mal là-dessus. Donc je vous invite à réfléchir et peut-être à lire ce dossier et puis à voir deux documentaires qui feront beaucoup de bien et que vous pouvez regarder en famille ou avec des collègues pour discuter de votre rapport au temps et du rapport au numérique. Un premier qui s'appelle « Plus de temps, moins de stress », qui est disponible sur Dailymotion. On vous donnera toutes les sources à la fin de la conférence. Et puis, un truc un peu plus effrayant qui est disponible sur Netflix actuellement, qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée », qui parle de l'économie de l'attention et comment les GAFA, vous savez, les grands donneurs d'ordre de la Silicon Valley, ont installé en fait une économie de l'attention pour capter notre attention. Bref, un warning là-dessus, même si je continue de considérer certains usages du web comme formidables, notamment en termes de partage et d'accès à la connaissance. Alors derrière ces mauvaises nouvelles apparentes, voilà, ce proverbe indien là qui s'affiche à l'écran, on l'aime beaucoup parce que si tu vois tout en gris déplace l'éléphant, ça veut dire aussi qu'on peut faire un pas de côté pour se sortir un peu de cette spirale défaitiste. Encore une fois, dans un pays, j'en suis convaincu, qui est bourré de talent, bourré de créativité, et dont beaucoup d'acteurs ne demandent que des changements à condition d'y trouver du sens.
et que ça soit aussi incarné peut-être par des leaders de nouvelle génération. Alors, pour changer, ça ne va pas de soi. Nous, on s'amuse beaucoup autour des codes du changement habituel. Je pense que vous aurez compris qu'on est, voilà, on n'est pas exactement le cabinet de conseil traditionnel. Donc, on détourne un peu, nous, les codes du changement, et on essaie d'y apporter un peu d'humour pour dédramatiser, parce que bah, derrière ces enjeux-là, il y a parfois des cas humains douloureux, pas faciles, des organisations qui se restructurent, ça ne va pas de soi, ce n'est pas évident, ça crée de la charge mentale supplémentaire. Mais il faut aussi réussir à s'en amuser. Donc nous, on a par exemple créé la bombe anti-râleur qui est à vaporiser directement sur les individus. On a créé les pilules du changement qui sont contre-indiquées aux blasés chroniques. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'on a certains de nos clients qui se sont un peu réappropriés ces codes dans notre collectif des artisans du changement que les artisans du changement ont créé. Et on a retrouvé dans certains séminaires chez nos clients ces petites boîtes-là et des choses un peu similaires pour dédramatiser le changement. Alors le changement ne va pas de soi et il suit d'ailleurs une courbe. Ça a nouveau coupé en fait des PowerPoint, mais ne défile pas en parallèle avec la voix. Vous pouvez retirer et remettre le diaporama. Essayez de le cerner pour le coup. Alors retirer, arrêter le diaporama et arrêter. Attends, je suis paumé là. L'urgence. Donc, partager mon écran. Hop. J'espère que vous avez retrouvé. Thomas, est-ce que tu peux me confirmer, s'il te plaît? Désactiver le micro. Normalement, je pense que c'est bon. Et si je me remets comme ça, ça devrait être bon. Est-ce que c'est bon? Là, c'est bon. J'espère que c'est bon pour tous. Si j'ai pas de message de Karine, je continue. Je pense que ça doit être bon. Excusez ces petites interruptions. La technique, toujours pareil. Les étapes du changement, cette courbe de, alors Kubler-Ross est un médecin allemand qui est sociologue qui a étudié notamment le deuil. Et cette courbe est assez connue pour le deuil, mais elle s'applique aussi à d'autres contextes. Et par analogie, quand on étudie les étapes du changement, on s'aperçoit qu'on vit à peu près les mêmes phases. Il y a souvent une phase de déni, de colère, de révolte. En fait, on n'est pas forcément en phase avec les changements proposés ou les transformations. Et puis vient le temps de un peu dépressif avant d'aller et de remonter en termes d'acceptation et d'expérimentation. Et l'attention que je veux attirer sur avec cette diapo, c'est notamment la phase d'expérimentation. C'est vraiment à partir du moment où on expérimente, où on met en place, où on prototype, où on tente des choses, que comme de par hasard, le moral remonte et que on se rend compte qu'on peut intégrer ces pratiques, que finalement, non seulement on survit, mais voire même qu'on positif parce qu'on monte en compétence, on apprend des nouvelles choses. Et je pense qu'il est important d'arrêter de croire que notre formation s'arrête à l'obtention de notre diplôme. On est dans un monde beaucoup trop complexe pour ne pas faire l'effort de rester curieux et continuer à se former tout au long de la vie, ce à quoi nous invitent d'ailleurs les élus depuis nombreuses années. Et je pense que voilà, c'est une des clés, ça va être de se former tout au long de la vie. La moitié des métiers de 2030 n'existent pas encore et on continue à former les enfants avec des blocs de savoir pas forcément adaptés à un moment où il faudrait peut-être plutôt nous apprendre à apprendre, tout simplement. Pour m'amuser un peu, j'ai fait un organigramme qui est évidemment caricatural et caricaturé, qui concerne plutôt les grosses organisations. Qu'elles soient publiques comme privées, d'ailleurs, ne changent pas fondamentalement la donne. Par expérience, ça fait, comme je vous le disais, maintenant 20 ans que j'accompagne le changement. Par expérience, en fait, c'est plus une histoire de taille qu'une histoire de public-privé. Plus la structure est grosse, plus elle génère structurellement de l'inertie et de l'inaction et de la bureaucratie, d'où parfois le sentiment qu'on peut avoir pour certains services ou certaines fonctions qu'ils sont plus source de blocage. Donc là, je me suis amusé avec le directeur des analyses paralysantes, le directeur de la bureaucratie. J'aime beaucoup aussi le directeur des process idiots, parce que Dieu sait si on en a. Et donc, on a généré une gabegie de procédures inutiles, de contrôles. Alors, on a des contrôleurs. Enfin, on est dans un système un peu kafkaïen. On le sait, on le sent, mais ça change pas tant que ça. Et on a beaucoup de mal par ailleurs. Notre chef à 5 plumes qui est en
haut de la pyramide, a peut-être du mal à intégrer ce que j'appelle les intelligences multiples ou les zèbres. Les zèbres, en fait, c'est ces personnalités qu'on considère un peu comme atypiques, qui en fait sont très nombreuses, hein, c'est-à-dire tous ceux qui ont du potentiel de créativité, qui ont peut-être des choses à proposer, mais comme on est dans une culture hyper bureaucratique et où tout est managé à l'aune du risque, hein, le management par le risque, c'est, je pense, la principale source d'inaction et de manque d'innovation dans notre pays depuis 30 ans. C'est qu'on a beaucoup trop de contrôle du risque et de procédures par rapport au potentiel d'innovation, et on laisse pas leur juste place aux zèbres, à la diversité, les HPI, aux profils intellectuels, et tout simplement aux intelligences multiples, parce que les intelligences multiples, c'est se dire qu'on n'est pas tous câblés de la même façon, et on est dans un pays qui a surprivilégié depuis longtemps maintenant, depuis 100 ans sans doute, l'intelligence logico-mathématique au détriment des autres formes d'intelligence. Manque de peau, dans le siècle dans lequel nous sommes désormais et par rapport à la complexité, on a beaucoup plus besoin d'intelligence relationnelle et d'autres compétences que la simple intelligence logico-mathématique, qui est utile, mais qui a tendance un peu à nous enfermer dans des visions normatives qui ne sont pas adaptées à la gestion de la complexité. Les compétences, d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, il y a 6 ans, avait sorti ce visuel que je vous montre, qui était intéressant, qui était un travail un peu prospectif sur les compétences projetées à avoir en 2020. Ben, ça y est, on y est. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un travail de portée mondiale avec plein de chercheurs et d'experts en sciences sociales qui analysent l'évolution des compétences dans le monde. Et on a vu des nouvelles compétences apparaître qu'on n'aurait pas vu il y a encore quelques années, notamment l'intelligence émotionnelle, la capacité de collaboration, la gestion de l'humain. Ça nous semble évident quand on le voit comme ça, mais ce n'était pas forcément dans les critères, notamment de sortie des classements des grandes écoles ou voire même ailleurs, tout simplement à l'école, où on privilégie pas forcément l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, mais plutôt des matières beaucoup plus normatives et plus classiques. Donc il y a un vrai travail à faire autour de ce qu'on appelle les compétences relationnelles. Alors, les anglo-saxons appellent ça les soft skills, compétences douces. Moi, je préfère le terme de compétences relationnelles parce que ça me semble plus parlant. À cœur vaillant, rien d'impossible. Bonne nouvelle. On va maintenant voir quelques pistes concrètes parce que là, je vous ai dessiné un tableau et un paysage de l'organisation du travail et notamment des organisations françaises un peu défaitistes, un peu critiques, un peu acides peut-être parfois. Mais il y a plein de pistes concrètes et voilà, je tiens à vous rassurer. On va maintenant dérouler ensemble plein de pistes concrètes et j'ai mis ce petit tampon recommandé pour vraiment marquer ce qui me semble des choses à retenir ou à expérimenter. Pour s'adapter, en ce moment, beaucoup de gens nous disent que small is beautiful, c'est voilà, sans forcément aller dans la caricature des petites startups. Excuse-moi, François, je vais te couper encore une fois. Oui, je suis à nouveau coupé. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Le Wi-Fi chez nous, il est bon pour le coup. Moi, je ne suis même pas en Wi-Fi, donc. Alors attends, stopper mon partage d'écran, désactiver le micro. Ouais, Karine, est-ce que je peux avoir le son est haché, c'est ça? Je me permets juste, François, ouais, d'intervenir. Effectivement, visiblement, il y a pas mal de personnes qui ont des soucis pour à la fois le diaporama. Pour certains, ça fonctionne bien, donc je suppose que c'est un problème de débit, mais plutôt côté participant, parce que, en tout cas, moi, j'ai une bonne connexion et j'arrive à tout suivre. Moi, je ne suis pas en Wi-Fi, je suis en RJ45 avec de la fibre à 50 gigas. Voilà, donc je pense que malheureusement, il y a des problèmes de réseau pour les participants, pour un certain nombre. Ce que je propose, de toute façon, on ne va pas pouvoir régler les problèmes de réseau. De débit pour les participants, c'est qu'on continue. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous aurez accès au replay et j'espère que vous pourrez le consulter d'un endroit où vous aurez plus de débit. Voilà, je propose qu'on continue et puis navré pour les personnes qui ne peuvent pas suivre en direct. C'est dommage, mais là, il y a des petites choses sur lesquelles on n'a pas la main. Ok. Alors, attends, moi, pour le coup, il faut que je refasse le partage d'écran, je pense. Ou afficher les documents. Non,
Hop. Stopper mon partage d'écran, je vais le refaire. Hop, top, partager. Est-ce que tu... Je ne sais pas ce que vous voyez là, Thomas. Est-ce que c'est bon? Non, pas encore. Votre écran est partagé. C'est bon, c'est bon. Ok, je me propose de continuer. Cette image, là aussi, est un peu caricaturale. L'image du porte-avions qui a du mal à tourner sur lui-même et à avancer rapidement versus des petits zodiacs rapides et agiles. Mais je trouve qu'elle illustre quand même bien l'état d'esprit du moment. Et moi, je suis convaincu que même si on est sur un porte-avions et qu'on travaille dans une organisation un peu porte-avions, qui a son inertie, qui a ses contraintes, etc., on peut imaginer de déployer des équipes et des modalités d'organisation du travail avec des petits zodiacs qui vont explorer des terres nouvelles. J'y reviendrai tout à l'heure en vous parlant des communautés de facilitateurs qui sont pour moi ceux qui embarquent dans ces petits zodiacs pour aller explorer des terres nouvelles plus agiles et d'innovation frugale. L'innovation frugale, c'est tout simplement du bon sens, c'est-à-dire retrouver des capacités d'innovation même sans moyens supplémentaires. Et d'ailleurs, on a fait preuve de beaucoup d'innovation frugale depuis 9 mois les uns et les autres, dans le secteur public comme dans le secteur privé, parce qu'il a fallu s'adapter, se réinventer, et sous la contrainte, on trouve des capacités d'adaptation insoupçonnées, et ça, c'est plutôt réjouissant. Notre cerveau a une capacité incroyable d'adaptation, et après, ce qui compte, c'est la capacité de l'organisation elle-même en collectif de faire fructifier tout ça. Alors, faire fructifier tout ça, alors j'arrive pas à avancer, Thomas, je suis bloqué. Ah, pas de bol. Alors, je vais faire comme ça. Voilà, je pense que ça, là, ça marche. On a lancé pour s'amuser chez certains de nos clients des programmes pour améliorer les réunions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très clairement un des points de progrès sur lesquels on peut agir le plus facilement. Et moi, je suis assez optimiste sur notre capacité à transformer les choses parce que rien que déjà en travaillant là-dessus, on peut gagner un temps fou. Je vous rappelle, hein, la statistique, dans le service public, vous passez en moyenne 18 ans quand vous êtes cadre, 18 ans de votre vie professionnelle en réunion. C'est juste hallucinant. Ça génère beaucoup de frustration. Je vois des gens, alors un Français sur trois avoue s'être endormi déjà en réunion, on le sait, on a aussi ce fameux quart d'heure nantais, bordelais, marseillais, quart d'heure français en fait, pour justifier le fait d'être systématiquement en retard. Ça c'est pareil, c'est hallucinant. Quand vous bossez dans des boîtes anglo-saxonnes, par exemple, ça disparaît, les réunions commencent à l'heure, elles se terminent à l'heure. Ceux qui ne sont pas à l'heure, tant pis, ils ont sûrement des tas de bonnes raisons, ils sont accueillis au moment où ils arrivent, mais on ne pénalise pas ceux qui font l'effort d'être à l'heure, qui sont les plus nombreux. Et donc, je pense qu'une des premières choses à faire, c'est par exemple ça, de commencer des réunions à l'heure, mais surtout de s'interroger aussi sur la pertinence de la réunion, s'interroger de est-ce qu'une réunion à 15 va être efficace, alors qu'on aurait pu être 5 et avancer avec des méthodes agiles en mode task force, voilà. Et très clairement, faut arrêter de faire des réunions aussi de partage d'informations. On est 50, 60, 70. Je me suis infiltré, moi, ces derniers mois, dans de quelques réunions, notamment vécues sur Zoom. J'ai trouvé ça hallucinant, quoi. C'est-à-dire 4 heures de descendant à 80 personnes. Bon, là, dans les contraintes du climat actuel, c'était pas évident peut-être de faire autrement, mais il y a moyen vraiment de travailler là-dessus. Moi, je vous conseille les excellents ouvrages de nos amis de WorkLab. Alors, on les aime beaucoup parce qu'ils sont partenaires, mais au-delà de ça, ils ont vraiment été très innovants dans leur façon de nous guider pour faire du mieux réunion, notamment avec le kit de survie en réunion qui était déjà très très chouette. Et puis, ils l'ont adapté, ils sont malins, ils l'ont adapté il y a quelques mois aux circonstances avec le kit de survie aux réunions à distance, avec des fiches pratiques sur comment manager à distance, comment booster un peu ses temps d'échange, le distanciel apportant une contrainte supplémentaire, on le vit nous-mêmes d'ailleurs avec les petites contraintes techniques que nous avons, voilà, là il n'y a pas de fatalité, il y a moyen de faire mieux, et le programme R2D2, c'était cette ambition affichée de diviser les temps de réunion par deux et d'augmenter le temps de décision par deux, parce que ce qui se joue derrière des réunions mal faites, c'est l'indisponibilité chronique des managers pour manager.
manager leurs équipes. C'est le fait que beaucoup de décisions sont très lentes, trop lentes, et des cycles projets mettent un an et demi parfois, alors qu'ils auraient pu mettre dans d'autres circonstances et mieux manager 3, 4 mois, 6 mois. Voilà, il y a tout un tas quand même de choses qui sont cruciales derrière cet enjeu autour des réunions, et je vous propose vraiment de réfléchir à comment vous pourriez améliorer ça, et surtout peut-être aussi apprendre à dire non, tout simplement. Parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'autocensure, notamment dans le secteur public, et qu'on a beaucoup de mal à dire non. Pour participer à une réunion à laquelle on ne sait pas trop pourquoi on est invité. Voilà, il faut arriver à verbaliser ça pour progresser. Il y a un autre sujet, bien sûr, sur lequel on a beaucoup de gains de productivité potentielle et de plaisir aussi à reprendre, c'est les process, les procédures. Voilà, j'avais écrit il y a quelques années un article qui s'appelait « Kill the process », qui était c'était inspiré après une mission que j'avais passée chez Airbus, en l'occurrence, et chez d'autres grands acteurs, voilà, en me rendant compte que les process, les procédures, cette culture de la procédure est quand même très très française, et elle tue littéralement aujourd'hui la créativité et la capacité d'innovation de beaucoup d'organisations. Donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Je vous reparlerai dans la deuxième partie d'exemples de bonnes pratiques sur ce sujet-là, avec notamment des collectivités locales et des services publics qui ont récemment organisé des simplificatons. Simplificatons, c'est un espèce de marathon créatif pour arriver à éliminer des procédures inutiles ou des reportings inutiles, prendre le temps du pas de côté pour s'interroger sur de quoi avons-nous vraiment besoin pour fonctionner ? En quoi ce reporting-là est utile ou pas ? C'est vraiment un temps salutaire qui va vous faire gagner non seulement du temps et de la productivité, mais aussi du plaisir, parce que vous en avez tous ras-le-bol de remplir des tableaux de bord dont vous ne savez même pas s'ils sont lus. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, un peu pour la blague, mais chez certains de nos clients, nous, on a fait des expériences justement sur les reportings, en truquant les reportings. Alors, le reporting à la française, hélas, la caricature le plus souvent, c'est le tableau Excel. Alors, Excel, les amis, je vous rappelle qu'Excel a été inventé par des comptables au début des années 80 pour manier des chiffres. Ça n'a jamais été fait pour mettre des procédures ou des idées dans des cases. Donc, Excel, dédiez-le aux chiffres et au suivi budgétaire, mais arrêtez de vous en servir pour d'autres choses. Il y a plein d'autres outils dont je vais vous parler qui sont plus pertinents. Et truquer les reportings, ça a consisté, par exemple, à mettre dans des cellules, excusez cette vulgarité, « merde à celui qui lit ». Et puis, on a envoyé au chef à quatre plumes pour voir ce qui se passait. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, rien, parce qu'en fait, personne ne lit les reportings. Donc, c'est des bons tests, ça permet de savoir ce qui est lu, de ce qui n'est pas lu, et de s'interroger surtout sur la procédure interne, de quel est le bon circuit de validation. J'ai dit ça aussi il n'y a pas longtemps à un directeur général des services. Nous avions ensemble un rendez-vous un vendredi soir, et je le vois partir à 18h avec plein de paraffeurs sous le coude pour partir en week-end. Et je me permets, je lui dis, excusez-moi, est-ce que vous permettez que je jette un œil à votre paraffeur ? Et là, je m'aperçois en fait qu'il repart avec des paraffeurs, avec des feuilles de frais à 8,96 euros à signer. Et là, je me dis, il a fait 10 ans d'études, il est bien payé, il a une pression de dingue, un boulot de dingue qui est déjà en termes d'énergie difficile, et il ramène en plus du boulot chez lui pour signer des feuilles de frais à 8,96 euros. Quel sens ça a, quoi ? Donc voilà, le point de vigilance, c'est s'interroger sur aussi les niveaux de délégation et d'autonomiser un petit peu plus, tout en respectant les règles de comptabilité publique, ça n'empêche pas. Et croyez-moi, comme de par hasard, il y a quand même des services publics et des organisations qui y arrivent, donc c'est possible. Pour terminer cette première partie avant de prendre vos questions et de faire une pause méritée pour tous. Alors, quand je dis pause, ça sera plutôt un temps d'échange et de réponse aux questions. Maintenant, voilà, on est tous grands, majeurs et vaccinés. Si vous avez besoin d'aller prendre un café ou d'aller aux toilettes, vous irez bien sûr. Je veux partager avec vous une passion véritable et une conviction profonde que le management visuel peut et améliore concrètement l'organisation au quotidien. Au sein de la Fabrique du Changement, avec mes collaborateurs, on ne travaille que comme ça, notamment avec le petit visuel que vous voyez sur la droite, là, où il y a marqué Canva Projet. C'est le mind mapping, les cartes mentales. Alors, cartes mentales, c'est le nom un peu québécois du mind mapping. On parle aussi de cartes cognitives, de schémas. Alors, les universitaires parlent de schémas heuristiques. Ça, c'est plutôt des vieilles définitions d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, carte mentale, c'est le nom le plus générique. Et c'est vraiment un outil qui nous réconcilie avec notre cerveau, parce qu'en réalité, notre cerveau ne raisonne pas
et ne fonctionne pas en mode linéaire hiérarchisé, c'est-à-dire ce qu'on fait tout le temps, hein, des notes très rédigées, avec beaucoup de blabla souvent, qu'est-ce qu'on aime rédiger, hein, c'est chouette, mais il manque de pôle, la forme la plus aboutie d'intelligence en ce moment, c'est la synthèse. C'est la capacité de synthèse et la capacité à se faire comprendre de façon pédagogique, visuelle, immédiate. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de data, beaucoup trop d'indicateurs, et que si on n'a pas des éléments visuels de restitution et de pédagogie, ben on s'en sort pas. Donc le mind mapping, c'est un outil mais formidable. Faites-le découvrir à vos enfants. Pour votre information, les pays scandinaves qui trustent les 5 premières places mondiales sur l'innovation pédagogique forment leurs enfants aux cartes mentales dès le CP. Ça arrive de plus en plus en France et je m'en réjouis. Mes filles qui sont grandes maintenant ont connu ça grâce à moi, mais pas grâce à l'école. Je vois de plus en plus d'enfants et d'enseignants à l'école se servir des cartes mentales et c'est tant mieux. Mais dans le champ professionnel, vous pouvez aussi utiliser des outils professionnels pour manager vos projets, pour avoir une vision beaucoup plus synthétique, pour préparer des discours, pour préparer des formations, pour plein d'usages. Un autre usage que je tenais à vous montrer sur cette diapo, c'est celui de Trello. Trello est un petit outil gratuit. Alors, il y a une version payante, mais l'outil gratuit permet déjà de faire plein de choses. Et permet le Trello est en fait très proche de l'organisation de ce qu'on appelle la méthode agile. C'est un espèce de tableau que vous créez où vous allez avoir une colonne sur la liste des choses à faire, ce qui est en cours et ce qui est fini. Ça permet de s'organiser en équipe et de mettre ce tableau-là en ligne. Alors, on peut faire ça aussi. Nous, on a un tableau dans notre bureau sur un Véléda qu'on actualise tous les lundis matins en agilité lors de notre réunion qui se fait debout la plupart du temps. En tout cas, ça serait. Je vous conseille aussi de réfléchir à des stand-up meetings, des réunions debout plus courtes qui nous mobilisent corporellement. Et la méthode agile, notamment illustrée par Trello, bah, c'est de l'organisation très simple et du bon sens. Ça, c'est vraiment facile à mettre en œuvre et à expérimenter pour s'organiser un peu différemment. Ce n'est pas l'apanage des startups, etc. Il y a de plus en plus d'organisations qui se servent de ce type de méthode pour manager leurs projets et avoir des éléments visuels de restitution. Voilà, donc ça, c'était une conviction et une très forte recommandation pour que vous vous intéressiez, pour que vous expérimentiez et vous donner envie d'explorer les ressources du management visuel pour lesquelles j'aurais pu aussi vous parler du sketchnoting, de la facilitation graphique, etc. Mais on ne peut pas tout dire. Et voilà, la famille du management visuel, en tout cas, il y a très clairement beaucoup de gains derrière possibles. Voilà, merci pour cette première partie. Ce que je vous propose maintenant, c'est de pour ceux d'entre vous qui en ont envie, hein, il n'y a pas d'obligation, c'est de poser des questions ou témoigner ou partager une bonne pratique ou par exemple, si certains d'entre vous se servent de méthodes que j'ai commencé à évoquer, peut-être un micro-témoignage ou une question tout simplement. Je suis à votre disposition pour ce faire. François, je me permets, je viens un petit peu aussi... Dans la danse, on a des gros soucis techniques. Donc, on a un certain nombre de personnes qui ont dû quitter la conférence. On a dit à tout le monde, hein, que le replay serait disponible là, dès cet après-midi, pour que chacun puisse suivre tout ce que tu nous dis, très intéressant, hein, et on avait des très bons retours. Et du coup, forcément... Tout le monde est parti ou il en reste un peu quand même? Il y a encore une trentaine de personnes, donc on a perdu une quarantaine de personnes. C'est bien dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, je ne comprends pas pourquoi. Et donc, du coup, on n'a pas de questions forcément parce que les gens ont du mal à suivre. Donc, je te propose de continuer si tu veux bien. Déjà, je vais continuer de toute façon, passe au monde pour qu'ils puissent le revoir. Voilà, merci. Donc, pour le coup, je ne prends pas de questions. Non, OK. Bah écoutez, ça tombe bien, entre grosses guillemets, parce que ça va me donner un petit peu plus de temps, peut-être, pour développer certains sujets. Et puis, on aura quand même, j'espère, le temps d'échange à la fin. Merci à ceux qui sont encore là. Je voudrais vous parler du rôle du facilitateur, des facilitateurs. Alors, ce mot de facilitation, vous en avez
peut-être entendu parler, on entend de plus en plus parler, il désigne plusieurs choses en fait. On parle souvent de facilitation graphique. La facilitation graphique, c'est ce qu'on voyait de plus en plus souvent, notamment sur les médias sociaux. Ce sont des restitutions d'un format très synthétique, graphique, par exemple pour prendre en note une conférence ou pour prendre en note, un exposé ou des enseignants tout simplement qui se servent de la facilitation pour booster leur présentation et leur pédagogie. Facilitation graphique, c'est l'un des aspects. Et moi, je parle de facilitation même au sens encore plus général, c'est-à-dire tout ce qui consiste à être en posture de facilitation vis-à-vis des collègues. La facilitation, pour moi, ce sont à la fois des méthodes, mais c'est surtout un rôle et des missions et une posture très, très clairement à avoir pour faciliter les projets, la vie des gens, s'interroger sur les procédures. Un facilitateur, très clairement, peut animer, par exemple, un simplificaton pour interroger les procédures. Et comme j'ai essayé de le montrer sur ce diaporama, là, j'ai pris des photos de groupes, on voit différentes circonstances. Ça bosse beaucoup avec les post-it. Alors, il y a aussi la caricature des post-it. Hein. Moi, je commence à entendre la petite musique de collaborateurs qui me disent « Oh ouais, il y en a un peu ras-le-bol des post-it ». Il ne faudrait surtout pas résumer la facilitation juste à des post-it et à l'usage des post-it. Il y a plein d'autres méthodes et de moyens de faciliter. L'objectif derrière ce terme de facilité, c'est l'idée de se faciliter la vie au sens littéral du terme et de faciliter les groupes, c'est-à-dire faciliter l'expression des groupes pour libérer la créativité et faire respirer le groupe, l'organisation, etc. Donc, c'est un rôle central. Les facilitateurs et les entreprises qui performent le mieux dans le monde aujourd'hui et notamment en France s'appuient très souvent sur des réseaux internes de facilitateurs. Alors, elles l'appellent parfois ambassadeur du changement, facilitateur ou communauté ceci, cela. Peu importe le nom qu'on donne aux communautés, en tout cas, ça je peux témoigner que ça marche. Et là, j'ai mis sur cette diapo trois exemples de communautés qu'on a eu le plaisir d'accompagner ces dernières années. Une des communautés qu'on a mis en place au sein du groupe ERAM, VIPEPS, concernait les 50 top managers de la marque Gémeaux, qui est l'une des marques du groupe ERAM, avait pour mission que tous les managers, notamment les top managers, soient un peu exemplaire et aligné avec la vision de changement que portait le groupe ERAM, qui veut devenir une entreprise à impact positif et qui voulait que ça s'illustre dans sa ligne managériale en travaillant à l'alignement des collaborateurs de la ligne managériale. Donc, cette communauté BIPEPS a été accompagnée, formée aux différentes techniques et méthodes de facilitation, notamment la facilitation graphique, mais aussi le codev dont je vais parler juste après et plein d'autres choses encore, et pour incarner aussi dans la proximité de relations avec leurs équipes respectives cette notion de leader facilitateur. À la SNCF, un exemple que j'ai trouvé remarquable aussi, qui date d'il y a quelques années maintenant, comme quoi vous voyez, cette entreprise innove et depuis longtemps. Moi, personnellement, je suis souvent admiratif des rencontres que j'ai avec les cheminots et de toutes les initiatives qui sont prises au sein de cette grande entreprise. Là, en l'occurrence, c'est à Nantes, au sein de la direction des systèmes d'information voyageurs. Donc, public d'informaticiens, pas forcément les plus faciles de la Terre, plutôt normatifs, ingénieurs, etc., qui ont décidé de faire de la sensibilisation autour des usages du digital pour booster le collaboratif. L'objectif, c'était ça. Ils avaient une bonne connaissance et maturité informatique au sens technique, mais pas forcément de maturité sur les usages collaboratifs. C'est pas forcément leur culture. Et donc là, l'ambition, ça a été de former un collectif en interne qui était positionné comme des ambassadeurs du digital. Et vous voyez cette jeune femme, là, par exemple, vous voyez des badges sur l'affiche. Ce sont des badges tout simplement de ce à quoi elle a fait l'effort de se former. Donc, elle s'est formée aux réunions dynamiques, au co-développement, dont je vais parler, à la facilitation graphique, dont je vous parlais juste avant, le design thinking, qui est une façon aussi de travailler, qui est de plus en plus connue. Et donc, ça a bien marché parce que cette campagne a été lancée. Ils ont fait ces affiches-là pour marketer un peu en interne la démarche des facilitateurs et promouvoir le rôle des facilitateurs. On a mis les affiches dans les ascenseurs, dans les cantines, dans les espaces de restauration, etc. Et le fait que la campagne soit basée sur la photo de la personne, ça humanisait pas mal le rapport. Le fait qu'on s'amuse un peu avec les codes habituels, avec Wanted, recherché. Et puis surtout, ce qui était marqué en bas, sans seul crime, vouloir vous aider.
Voilà, ça c'est vraiment un truc qu'il faut retenir sur les facilitateurs. Les facilitateurs sont là pour aider les collègues, faciliter les projets, leur apporter de la méthodo quand ça manque. Quelquefois, ça peut être aussi décoincer des situations managériales humaines, de la médiation, de la verbalisation parce qu'il y a du conflit. Qu'est-ce qu'on n'aime pas les conflits hein, dans notre pays hein, on met tout ça sous le tapis, hein, ça va mieux. Et il y a beaucoup de non-dits et voilà, qui ne facilitent pas la vie des équipes. Donc le facilitateur, il est là pour veiller à tout ça et aider les collègues. Et puis chez Gauthier, Meubles Gauthier, entreprise vendéenne qui est un peu leader du Made in France actuellement, qui travaille des meubles en bois, peut-être le savez-vous, a mis en place une communauté de facilitateurs avec nous l'année dernière, qui a pas mal bousculé les choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont sortis d'affaires pour autant, mais ils témoignent en tout cas ces dernières semaines et ces derniers mois que le fait d'avoir mis cette communauté de facilitateurs en place avant la crise majeure que nous vivons depuis 9 mois les a aidés sans doute à être plus, à s'adapter plus rapidement et à être plus réactifs par rapport à cette crise. C'est aussi ça l'objectif des communautés de facilitateurs, c'est de diffuser, infuser et semer en interne une culture d'innovation transversale basée à la fois sur l'humain, le savoir-être et l'intelligence relationnelle et le savoir-faire, des méthodes nouvelles, etc. Dans les méthodes qu'on aime beaucoup et sur lesquelles on a vraiment plein de bons échos de nos clients, quelle qu'en soit la nature, le co-développement. J'attire votre attention sur le co-développement qu'on appelle le co-dev. Voilà, il y a, on est au sein des artisans du changement un certain nombre de consultants à être certifiés sur cette méthode qu'on aime beaucoup et qui consiste à animer des ateliers qui durent 1h30 à 2h avec une méthode que je ne vais pas vous dérouler et vous dévoiler maintenant, mais qui est en fait une méthode toute simple, assez maligne, qui permet de mobiliser des compétences variées au sein d'un petit groupe qui va réfléchir ensemble autour d'une problématique que l'une des personnes présentes dans le groupe a proposé. Donc le premier travail consiste à choisir la problématique qu'on va traiter. Et après, la procédure qui dure 1h30, 2h, permet vraiment de décoincer des choses autour de cette notion de projet. Mais oui, parce que les projets, les amis, vous le savez bien, les projets réussis, ce n'est pas un tableau Excel croisé dynamique. C'est d'abord des hommes et des femmes qui ont envie de faire quelque chose ensemble. Et dans ces ressorts de motivation du groupe, les méthodes qui consistent justement à animer le groupe avec créativité, à libérer la parole, à faire respirer, etc., sont les bienvenues. Ça oxygène au sens littéral du terme l'organisation. Et moi, je considère les organisations comme des êtres vivants, comme des organismes finalement complexes, avec plein de cellules, des cellules plus ou moins dynamiques, qui circulent plus ou moins bien, plus ou moins bien formées, qui ont des envies, etc., et qui ont souvent des choses à partager. Et je vois beaucoup de projets coincés, quelquefois au milieu du guet, souvent parce qu'ils ont été très mal lancés dès le départ. Donc là, je vous invite aussi à vous intéresser au Pitch Academy, apprendre à parler, apprendre à emporter un peu l'adhésion et à séduire, parce qu'un projet, c'est aussi de la séduction pour embarquer les gens et les bonnes volontés. Et puis, quelquefois, des projets qui durent un peu longtemps vivent des phases, et c'est normal, c'est très humain, vivent des phases où il y a du décrochage, des gens moins motivés qui viennent plus aux réunions, etc. Voilà, le CODEV peut être l'un des moyens d'entretenir aussi un projet dans le temps, ou en tout cas de désamorcer d'éventuels conflits ou non-dits qui auraient émergé. Il y a plein d'autres choses et d'autres formats possibles pour animer des temps collectifs et les facilitateurs peuvent y contribuer. Mais vous, en interne, interrogez-vous, et ça c'est vraiment important, sur les formats de vos séminaires, sur les formats de vos réunions, notamment quand vous êtes un peu plus nombreux. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne croit aux grandes messes institutionnelles où il y a un chef à 5 plumes qui vient nous balancer 180 slides de trucs stratégiques avec aucun élément visuel, quand je vois la gueule des PowerPoint la plupart du temps. Je pense qu'on a là aussi une vraie capacité d'apprentissage et de progrès. Dans les formats de rencontres et de séminaires, je crois que les organisations qui, comme de par hasard, là aussi, performent le mieux ces 20 dernières années, ça fait longtemps qu'elles organisent des forums ouverts, des World Café, des cafés de la connaissance. Je vous ai parlé tout à l'heure des simplificatons. J'aurais pu mettre d'ailleurs le badge sur cette diapo.
L'idée, en tout cas, du marathon créatif et de journées mieux animées qui facilitent l'expression des participants et qui font que les salariés se sentent, comment dire, écoutés et surtout qu'on libère un peu leur capacité d'innovation, ça me semble très, très important. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument que les top managers, les élus et tous les chefs à cinq plumes comprennent que leur vrai job, c'est d'être des metteurs en scène de l'intelligence collective. Qu'ils n'ont pas les réponses à toute la complexité du monde aujourd'hui, et ça se conçoit, et personne ne leur en veut pour ça. Par contre, leur vrai job, c'est de mobiliser l'intelligence collective en se formant. Alors, soit eux, en intégrant dans leur propre formation des choses, et vous voyez, ce genre de sujet devrait être aussi au CNFPT, à l'INET, à l'ENA, et dans les contenus pédagogiques de toutes les grandes écoles et universités de France et de Navarre, tout simplement pour nous préparer à savoir animer ça dans le monde de l'entreprise et dans le monde du travail plus tard. Le forum ouvert, notamment, est mon chouchou. Je vais vous en reparler dans un instant. Quelques bonnes pratiques publiques, parce que je voulais aussi témoigner lors de cet échange de bonnes pratiques remarquées. Et il y en a plein. Là, j'en ai fait qu'une petite sélection. J'aurais 40 anecdotes à vous donner sur des bonnes pratiques. Donc, c'est plutôt encourageant. Ça prouve que les choses avancent, que ça marche, qu'il y a des territoires et des services publics qui se saisissent de tout ça. Donc, voilà, on ne parle pas de science-fiction, on ne parle pas de concepts vaporeux. On parle de choses très concrètes. Dans les choses très concrète, je tenais à signaler par exemple le Simplificaton qui a été organisé en Nouvelle-Aquitaine il y a 2 ans, qui vient d'être fait d'ailleurs avec notre soutien et notamment le soutien de Thomas dans les départements des Hauts-de-France, donc qui est en train en ce moment d'organiser un Simplificaton avec les mêmes interrogations. Donc, et pour ce faire et pour aider nos amis des Hauts-de-France, on a tout simplement interviewé les gens de Gironde et puis aussi de la métropole européenne de Lille qui avait aussi fait un marathon créatif. Donc on les a interpellés pour savoir qu'est-ce qu'ils en retiraient, quelles étaient les bonnes pratiques, quelles étaient les limites aussi de l'exercice. Bref, vous voyez, s'inspirer, c'est aussi tout simplement appeler les gens pour en repérant sur LinkedIn une bonne pratique qui vous interpelle et appeler les gens, tout simplement, ça marche. On peut encore se parler et ça va plus vite qu'un mail d'ailleurs. Une autre entité remarquable que je tiens à vous signaler, c'est le laboratoire d'innovation publique en Nouvelle-Aquitaine, la base, qui a ceci de remarquable qu'elle réunit justement des acteurs de toutes les fonctions publiques. C'est une coopération entre le SGAR, la fonction publique territoriale, enfin plein d'acteurs, et ils ont vraiment fait des programmes assez intéressants. Le laboratoire M21 d'ailleurs du département de Gironde qui participe au laboratoire de la base, fait aussi plein de choses et travaille notamment sur des indicateurs de bonheur intérieur brut de la population girondine. Ça m'a drôlement interpellé. C'est même la première collectivité locale, à ma connaissance, qui a emmené des élus et des techniciens territoriaux au Bhoutan pour comprendre comment étaient drivées les politiques publiques dans ce tout petit pays près du Népal, à l'aune du PIB. Et quel type d'indicateurs on pouvait mettre en place pour essayer de mesurer le bonheur intérieur brut de la population. Il me semble que notre vocation de service public et d'élu est d'essayer de travailler au bien-être de la population. Donc, c'est intéressant de réfléchir à des nouveaux indicateurs. Voilà, donc là, c'est quelques entités que je tenais à vous signaler. La Fabrique 59 aussi, notamment du département Hauts-de-France, fait un gros effort de formation autour de toutes les approches qu'on vient d'évoquer, la facilitation et plein d'autres, une espèce de laboratoire assez effervescent d'innovation pour former et acculturer les agents et les managers à ces approches. Un petit focus sur le département d'Ille-et-Vilaine, parce qu'il se trouve que j'ai eu le bonheur de les accompagner il y a 5 ans, c'était une mission qui avait démarré il y a 5 ans, qui a duré 2 ans, et qui s'est terminée par un forum ouvert. Alors, vous voyez les deux images, les deux photos que vous voyez, il y a côté gauche, vous voyez comment était organisé un forum ouvert, donc plein de gens qui bossent en atelier. Il y avait ce jour-là quand même 850 personnes, donc on parle vraiment d'un grand format. Et le forum ouvert est, à ma connaissance, l'une des meilleures méthodes, sinon la meilleure, pour faire travailler jusqu'à 2000 personnes ensemble et aboutir en fin d'après-midi à quelque chose de très, très concret, un livre blanc. En l'occurrence, on était ressorti du forum ouvert à Rennes avec un livre blanc de 12 actions à conduire, dont la création d'une délégation à la transformation, ce qui a été fait.
Et j'ai, pour préparer cette conférence, réinterrogé la directrice générale adjointe qui s'appelle Mona Isabelle, qui est une super nana, qui pilote la délégation à la transformation, pour voir où ils en étaient. Et elle me dit, ben voilà, on est en train de recueillir tous les bénéfices de ce programme lancé depuis 3 ans, parce que le changement culturel s'est bien opéré. On a très bien réagi au moment du confinement, parce que ça faisait déjà 2 ans qu'on préparait tout le monde au télétravail. Ils ont été appelés par les départements de France et de Navarre sur leurs bonnes pratiques, justement parce qu'ils avaient mis en place tout un tas de choses. Et un des facteurs clés de succès de la délégation à la transformation, ça a été d'intégrer la DSI. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, la DSI devait vraiment travailler sur les usages et était en lien avec le déploiement des usages. Et il y a plein de choses là aussi qui ont été faites pour vulgariser les technologies et sensibiliser aux usages. Et puis, je vous ai mis cette photo des agents publics qui ont, avec leur pleine acceptation, bien sûr, de ces photos, qui sont en mouvement parce que c'est un atelier qui s'appelle le TangoCom. Ça, c'est un petit exercice d'échauffement où les agents devaient se préparer à danser le tango les yeux fermés. C'est un petit atelier en fait de développement personnel autour de la confiance, comment faire confiance à l'autre. Et c'était juste pour vous montrer que la transformation, ça passe aussi par la mise en mouvement corporel et que dans des journées comme ça où on travaille beaucoup, avoir des petits temps de respiration basés sur de la danse, de la méditation pleine conscience ou d'autres techniques de relaxation corporelle, ça marche aussi parce qu'il faut se souvenir quand même que notre corps n'est pas juste le moyen de transport de notre cerveau. Alors, la porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Je vais vous parler un petit peu maintenant de qualité de vie au travail, de bien-être, sachant que la qualité de vie au travail, avec cette diapo, elle pourrait sembler un peu caricaturale. La photo en haut à droite nous montre un espace qui est à Paris, en l'occurrence, qui s'appelle, je ne sais plus d'ailleurs comment il s'appelle, le café... je vous retrouverai ça. C'est un endroit qui accueille des séminaires, qui est très sympa, dans lequel j'ai eu l'occasion d'intervenir et dont la déco... Open Mind Café, merci Thomas. L'Open Mind Café à Paris. Il y a d'autres tiers-lieux et espaces de coworking qui ressemblent à ça dans notre région. Il y a près d'une quarantaine de tiers-lieux désormais rien que sur Nantes et dans la région, je pense qu'on est à plus de 100 maintenant, plus ou moins bien décorés, mais la décoration ne fait pas tout. Évidemment que la qualité de vie au travail, c'est aussi moins de réunions et de mails, moins de pression, moins de charge mentale et arrêtez de vous en mettre tout seul aussi, hein, les amis. Hein, c'est un mail aujourd'hui, enfin cette espèce d'obsession de vouloir répondre à tous les mails, ça devient complètement absurde. Il faut faire la police, c'est pas toujours facile. Moi, j'en viens même à réussir à le dire parfois à mes clients parce que il y en a, voilà, c'est normal, qui ont des gros coups de stress. Alors le coup du fameux appel à 9h02 le matin où tu te fais engueuler parce que tu n'as pas répondu à un mail qu'on t'avait envoyé à 20h15 la veille, moi je réponds gentiment, excusez-moi, à 20h15 je suis avec ma femme maintenant, vous voyez. Bref, il faut qu'on arrive à retrouver là aussi du bon sens pour se mettre un peu moins de pression, et notre qualité de vie, elle dépend aussi du droit à la déconnexion. Mais notre qualité de vie au travail, elle est d'abord et avant tout basée sur la qualité des relations. Il est bien sûr important, et je vous invite à réfléchir à comment vous pourriez redécorer et booster un peu vos environnements de travail, parce que honnêtement, c'est quand même souvent assez moche. Et puis, je comprends pas bien pourquoi les bureaux sont forcément gris ou beige et les peintures pas un peu plus vivantes. On peut travailler notamment sur les couleurs, sur les lumières. Et puis, il n'y a pas forcément besoin de gros budgets pour monter des salles de créativité. On peut aussi emmener une petite cellule de salariés en expédition pédagogique pour faire 2-3 brocantes et trouver des trucs, des objets un peu marrants qui coûtent 3 francs 6 sous. J'ai eu ce travail-là à faire, moi, pour un de mes clients il y a quelques mois, qui voulait me donner 20 000 euros de budget pour rééquiper une salle de formation. Je lui dis non, surtout pas, 20 000, c'est beaucoup trop, donnez-nous 1 000. Donnez-nous 1 000 et on va aller chercher des objets brocantes et tout. Et on a fait une déco d'enfer, vachement sympa, beaucoup plus personnel pour le coup, justement parce que nous n'avions pas beaucoup de moyens. Et en plus, en associant les salariés qui allaient travailler demain dans ces salles. Pour revenir à la qualité des relations, la qualité des relations, elle est d'abord basée, et c'est ce qu'expriment le plus souvent les salariés quand on leur donne la parole, sur un besoin de reconnaissance. Et le besoin de reconnaissance, c'est pas juste à l'entretien annuel d'évaluation,
où on met en perspective l'année, où on remercie, c'est le plus régulièrement possible, avec authenticité et sincérité, reconnaître ce qui se passe bien, au lieu de passer sa vie à singulariser ce qui se passe mal. Et ça, c'est vraiment une manie française et une culture qui est fatigante, de la culture où on passe son temps à relever ce qui va pas, à mettre le doigt sur les petits détails qui vont pas, au lieu de souligner tout ce qui s'est passé de bien. Et donc, ça donne autant de signaux en permanence négatifs, d'injonctions paradoxales. C'est-à-dire, on affiche des valeurs basées sur la bienveillance, mais on passe son temps à relever des trucs qui vont pas, etc. Ça, il faut s'en sortir, les amis. D'autant plus que les neurosciences, encore une fois, et la psychologie positive nous ont appris beaucoup de choses. Désormais, nous savons que quand nous recevons des inputs favorables, donc de la reconnaissance, des messages positifs, etc., nous fabriquons chimiquement de l'endomorphine, tout un tas de notre corps réagit, notre cerveau immédiatement réagit à ces stimuli positivement et va nous doper en quelque sorte et doper notre créativité et notre capacité d'innovation. Donc on a tout à gagner à être dans des relations plus apaisées, plus bienveillante, et pas seulement avec le côté un peu niaiseux que ça peut avoir parfois en ce moment sur le bonheur, faut être bienveillant, etc. Faut l'incarner vraiment. Ça n'empêche pas les coups de gueule, ça n'empêche pas de s'engueuler joyeusement à la gauloise comme on sait faire, parce qu'il y a un moment, faut se dire les choses. Au contraire, d'ailleurs, et là-dessus aussi, attention aux non-dits, attention à tout ce qu'on met sous le tapis au lieu de se le dire. Et ça, c'est très culturel, hein, c'est vraiment notre culture depuis l'école où on nous apprend à pas exprimer les choses, où on est dans un rapport de compétition, on se vit en tout cas en compétition avec les autres, à une époque où au contraire, il faudrait tout miser sur la coopération. Et d'ailleurs, ceux qui vont s'en sortir, hein, très clairement dans les années qui viennent, y compris au niveau des entreprises, c'est aussi celles qui auront la capacité à développer ce que j'appelle des coopétitions. C'est-à-dire, je suis concurrent avec un écosystème ou avec certaines entreprises, mais j'arrive à travailler, à coopérer avec eux pour dépasser nos différends ou machin, ou pour innover, co-brander ensemble des produits, inventer des produits de demain. Et pour les services publics, ça peut être des directions qui d'habitude se mettent un peu sur la tronche avec des postures narcissiques parfois de top manager et qui oublient que tous les collaborateurs ont au quotidien besoin de travailler ensemble et de coopérer. Donc ça va pas de soi, je sais que les enjeux sont pas faciles, que c'est un changement culturel profond, mais c'est vraiment important de travailler sur les comportements. D'où la nécessité et l'intérêt de travailler plus que jamais sur l'intelligence relationnelle et les comportements pour aller tendre vers ça. Encore une fois, sans s'empêcher de s'engueuler parfois ou d'avoir des coups de gueule. Le télétravail, le management, j'y reviens pas, mais sur le télétravail, il y aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup de bilans à tirer, mais c'est sans doute encore un petit peu tôt, surtout que ce qu'on a vécu et ce que vous avez vécu depuis le mois de mars, n'est pas forcément du vrai télétravail, pour ceux d'entre vous notamment qui ont été chez eux tout le temps, c'est dur aussi mentalement et il faut vraiment réfléchir à des aménagements plus hybridés. Cette diapo, j'ai pris une photo d'un film que j'aime bien, que vous avez peut-être vu, et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Alors, c'est pas le truc du siècle non plus, hein, mais c'est un truc américain, une comédie intelligente qui s'appelle Le Nouveau Stagiaire. En l'occurrence, Marie Hathaway, la jeune actrice en robe rouge, est dans ce film la patronne d'une grosse start-up qui a grandi très vite, qui n'est plus tout à fait une start-up d'ailleurs, qui est plutôt dans notre jargon une gazelle, c'est-à-dire une entreprise qui se développe très rapidement. Et il lance un programme innovant d'accueil de stagiaires seniors. J'ai trouvé l'idée géniale. Et arrive donc Robert De Niro qui propose sa candidature pour ce stage senior, non rémunéré, mais bon, il a plus d'enjeux, lui il est à la retraite, il touche des sous, etc. Mais il veut apporter de l'expérience et il y a un choc des cultures qui s'opère entre un monsieur qui a commencé à travailler en gros dans les années 60-70 et puis cette start-up qui, elle, a ses façons de travailler un peu différentes, mais il apporte énormément de choses, notamment en termes de calme, de sérénité, de procédure parfois, le choc de culture se transforme en une complémentarité intelligente et louable pour tout le monde, et je suis sûr que dans nos organisations, sans forcément aller chercher des stagiaires ailleurs, mais on aurait intérêt à beaucoup mieux capitaliser, je dis peut-être ça parce que j'ai 54 ans maintenant, la mémoire
des projets, la mémoire des structures, en s'appuyant aussi sur la compétence intergénérationnelle de gens plus anciens, parfois mis au placard, ou parfois un peu démotivés, sur lesquels on projette plus grand-chose. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à travailler, par exemple autour du mentorat, autour de la médiation, et dans des équipes de facilitateurs, je recommande vivement d'avoir aussi des salariés un peu plus âgés pour venir compléter. Voilà, faut pas que ça soit juste la tribu de jeunes qui s'éclate, mais un équilibre à trouver entre des profils différents et complémentaires. La question de la confiance et du droit à l'erreur est fondamentale. Elle est fondamentale. Alors, c'est en lien direct avec ce que j'ai essayé de vous dire précédemment, notamment sur l'intelligence relationnelle, etc. Mais il faut vraiment faire confiance. Ça coûte beaucoup moins cher de faire confiance. Il y a un excellent bouquin que je vous recommande qui s'appelle « Et la confiance, bordel », qui a montré, qui a prouvé, même chiffre à l'appui, qu'en fait, la confiance coûtait beaucoup moins cher que la défiance. On est dans un système aujourd'hui qui survalorise le contrôle et la bureaucratie, et en fait ça coûte une fortune le contrôle. Il suffit de, par exemple, toutes les réunions inutiles ou qui seraient orientées sur du contrôle, ou tous les postes aujourd'hui qui sont entièrement consacrés à du contrôle, de l'audit, etc. Il suffit de calculer le salaire chargé cumulé de tout ça et de se dire combien de temps on consacre à ces reportings ou à des procédures orientées contrôle par rapport à des procédures ou des process orientés innovation de service pour nos administrés et les citoyens. Bref, on passe beaucoup trop de temps sur cette dimension-là. Alors, c'est singulièrement dans le public, mais qui a aussi ses contraintes, bien sûr, avec les règles de comptabilité publique normalement, et voilà, auxquelles on peut pas faire grand-chose. Mais quand même, il y a plein de choses qu'on peut améliorer. Et en tout cas, culturellement, la confiance et le droit à l'erreur, au-delà des appels d'offres, c'est aussi tout simplement dans le quotidien, avec son équipe, postuler plutôt la confiance que de vouloir absolument contrôler. Le télétravail avec les outils de contrôle, caméra, etc., de compteur temps, etc., ont été une très belle caricature de cet état d'esprit, c'est-à-dire la volonté de contrôler, mais et avec un rapport qui est complètement infantilisant, quoi. Le problème que ça pose, c'est que les jeunes, et c'est pour ça que j'ai mis des jeunes à la queue leu-leu qui sont en train de s'en aller, c'est que les jeunes, s'ils sont managés comme ça, avec cette dimension contrôle omniprésente, avec le sentiment de ne pas avoir le droit à l'erreur, ce qui a changé, c'est qu'ils s'en vont désormais, y compris dans le public. Et croyez-moi, j'en ai vu moi des démissions là depuis le début de l'année, par exemple, mais même singulièrement depuis plusieurs années, des symptômes quand même où qu'on voyait pas avant. Voilà, on quittait pas le service public comme ça. Et aujourd'hui, dans les entreprises, c'est pareil. Hein, j'ai des grandes entreprises qui m'appellent à l'aide parfois, Orange encore récemment, qui me disaient, bon, on arrive encore à toper des talents à la sortie des grandes écoles et à les attirer et à les intéresser. Par contre, on les fidélise plus, ils s'en vont au bout de 2-3 ans. Bah oui, parce que s'ils ont un chef à trois plumes qui leur tombe dessus tous les jours, alors qu'ils ont envie d'autonomie, qu'ils ont envie d'innovation, etc., les modes de management à la papa, ça ne marche plus. Donc attention, gros warning là-dessus, pour revaloriser demain le sens qu'ont les carrières dans le public et revaloriser les métiers formidables et la variété des métiers qu'il peut y avoir dans le service public, cette dimension confiance, droit à l'erreur et changement de ligne managériale est indispensable. Donc, voilà, c'est remettre du plaisir là où aujourd'hui on a un peu trop de bureaucratie, remettre de la confiance là où il y a du contrôle. La statistique est simple, il y a toute structure confondue et la stat n'a pas changé depuis 100 ans, il y a à peu près 3% de tricheurs dans les organisations. Quoi que vous fassiez, il y aura de toute façon 3% de tricheurs et ceux-là savent très bien s'accommoder des systèmes complexes pour tricher. Donc, vous pouvez mettre toutes les procédures. Plus le système est de contrôle est censé être compliqué et verrouillé, plus ils vont s'en sortir. Donc, en fait, on pénalise 97% des salariés loyaux pour contrôler 3% qui, de toute façon, arrivent à tricher. C'est absurde. Ça coûte beaucoup trop cher. Il est temps de passer à autre chose et on a tellement de nouveaux services à développer et à imaginer pour les citoyens et pour nos territoires qui vaut mieux passer à autre chose et s'interroger sur le sens des contrôles. Je vous mets une petite diapo qui est en fait qui a été prise à notre bureau
le bureau de la Fabrique du Changement. Alors nous, on est une toute petite entreprise, hein, mais qui bosse, on se définit comme une organisation étendue, c'est-à-dire on est tout petit, on tient à le rester. Par contre, on bosse au sein d'un écosystème où on s'appuie sur des compétences et des talents du territoire. C'est pour ça qu'on a créé un collectif qui est une association qui s'appelle les Artisans du Changement, dans lequel il y a une 80 à peu près personnes et talents mobilisables en fonction des enjeux de nos clients. Excusez-moi. Dans cette diapo, je vous parle de symétrie des attentions. La symétrie des attentions, c'est l'idée simple que de la même façon qu'on porte un soin particulier à soigner, en l'occurrence pour vous, les citoyens, les administrés, à réfléchir aux services qu'on peut leur apporter. Dans le privé, ça va être le service aux clients, ça va être tout ce qu'on met comme ressort d'imagination au service du client. Eh ben, faisons-le aussi pour nos propres collaborateurs. Parce que nos premiers clients, ils sont internes. C'est la capacité de mobilisation et d'engagement des collègues autour de nous. Et pour ça, il faut travailler sur cette dimension de symétrie des attentions et imaginer l'expérience que vivent nos collaborateurs. La petite photo en bas à gauche, c'est ce qu'a trouvé Marine, qui est une jeune alternante que nous avons fait pour contribuer à l'effort national, que nous avons embauchée à la rentrée. Et le jour de son accueil, alors après s'être planté sur des accueils précédents, on a beaucoup travaillé nous-mêmes pour réaménager notre process d'intégration des nouveaux collaborateurs, notamment les stagiaires et alternants qui sont très importants. On a mis en place une petite procédure où on les accueille avec des petits goodies, des trucs essentiels, et puis bien sûr une clé USB ou la création d'un espace sur Dropbox où ils vont retrouver tous les fichiers dont ils ont besoin. Mais l'idée en tout cas, c'est de porter un soin particulier à l'accueil, comment j'accueille et comment je, par la suite, je fidélise mes collaborateurs. Le petit bébé Yoda, c'est bon, référence culture pop pour s'amuser un peu, mais ça c'est aussi un truc qui vient vraiment plutôt de mon expérience de start-upper. C'est la culture qui consiste à célébrer les succès. Vous avez une bonne nouvelle, nous quand on a une bonne nouvelle, ça peut être une nouvelle business, ça peut être une formation qui est acceptée, ça peut être un partenaire qui nous fait un petit message sympa. On sonne le gong pour célébrer le succès au sein de l'équipe. Et quand on l'entend, on sait qu'il y a une bonne nouvelle à partager. On s'arrête 2 minutes pour en parler et ça fait du bien. C'est tout bête, tout con, mais ça fait du bien. Il y a des entreprises dans lesquelles on a mis en place dans les couloirs une cloche, tout simplement. Et quand on entend la cloche, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Voilà, ça peut vous sembler anecdotique et peut-être un peu naïf, mais ça marche et ça fait du bien. Et c'est vraiment des trucs simples sur lesquels il n'y a pas besoin d'attendre une procédure ou une autorisation de quiconque. À vous de le faire. Je vous ai parlé tout à l'heure du mur Velleda pour la méthode agile qu'on utilisait en plus des cartes mentales. Et elle est à l'écran, donc c'est l'un des grands murs de notre bureau. Et on fait nos réunions en déplaçant ces pubs. Alors, ce n'est pas des post-it, d'ailleurs, c'est des trucs réécrits sur lesquels on peut réécrire. On est en méthode agile pour faire un point sur nos projets. Je vous ai déjà pas mal parlé des compétences humaines et relationnelles, donc je ne vais pas m'étendre, mais quand même, j'ai remis ce petit clin d'œil sur l'intelligence émotionnelle et sur les émotions, parce que c'était le thème d'ailleurs de nos événements, les Fabriques du Changement 2020. On avait sans doute, quand on a conçu ça en 2019, eu le nez creux, je ne sais pas. Bon, on n'a vraiment, vraiment pas beaucoup de chance aujourd'hui avec la technique. On a perdu François. Merci aux 20 qui sont encore là et de votre patience et de votre persévérance parce qu'on voit bien que le contenu est très intéressant, donc de toute façon tout ça sera diffusé en replay. Hop là, voilà, François revient. Alors il manque juste le visuel de François. Est-ce que c'est bon? C'est bon, mets ta caméra et c'est bon. C'est bon, c'est reparti? Non, t'es reparti là. Je suis reparti. On ne te voit pas, François. On ne te voit pas, Marc. Est-ce que... On voit le slide, mais on ne te voit pas. Une erreur est survenue. Est-ce que si vous voyez les slides et que vous m'entendez, je peux continuer ou pas? François, tu peux aller comme ça. Hein. Tu peux aller comme ça? Oui. D'accord. Si on t'entend, ouais, c'est là. Ok. Est-ce que je peux passer mes slides, par contre? Parce que je n'ai pas l'impression. Une erreur est survenue. Tac, 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 tac. Je ne peux pas passer mes slides, donc ce n'est pas très facile. Bon. Excusez cette interruption involontaire de nos programmes. Comment je peux faire? Attends, je vais stopper le partage d'écran pour le repartager en le mettant comme ça. Pour le coup, touc.
Partager mon écran. Oui. Toc, toc. Est-ce que c'est bon? Oui, là, la slide, c'est bon. On ne te voit pas. On ne te voit pas, mais. Alors, allume. Ouais. Activer la caméra. Voilà, super. Super, c'est bon. C'est bon, mais sauf que je ne peux pas faire défiler les slides. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas très facile. Et attends, si je. Bon, je vais faire suivante comme ça. Je vais. Donc... C'est ça, hein. Est-ce que. Ah ben, c'est revenu. Bon, je redémarre là. On est sur les émotions. Donc, on va accueillir cette émotion et cet incident. Voilà, on accueille le contexte. Autour des compétences humaines et relationnelles, ouais, il y aurait beaucoup à dire. Il y a beaucoup de bouquins de développement personnel. Il y a beaucoup de choses en ce moment. Voilà, il y a par contre vraiment trois dimensions que je voudrais souligner. La communication non violente, la façon dont on communique et la nécessité peut-être de se former ou de tout simplement de se redire et de réancrer le fait que voilà, on peut se parler gentiment. On peut aussi, je vois dans certains environnements de travail, alors des personnes toxiques bien sûr, des pervers narcissiques manipulateurs bien sûr, mais je vois aussi tout simplement parfois des postures où on a perdu l'habitude de se dire bonjour. Ou de se dire les choses, voilà, un peu plus gentiment. Et ça, de ce point de vue-là, quand même, au niveau managérial, honnêtement, je trouve aujourd'hui qu'il y a plus de violence sociale dans le secteur public et dans le secteur associatif que dans le privé, contrairement à une idée répandue. C'est évidemment à nuancer, et il y a partout à peu près le même pourcentage de gens pas forcément agréables ou toxiques. Voilà, c'est pas une question de public et privé, mais sur la façon de se parler, sur la communication relationnelle quotidienne, quand même, je pense qu'il est temps de se réancrer sur du bon sens, parce que derrière, bah, c'est les comportements, les ressentis des personnes et leur niveau d'engagement qui sont directement impactés. Un exemple très concret d'un petit atelier que vous pourriez faire avec vos équipes, collègues, alors que vous soyez en posture, en position de management ou pas, que vous ayez vos équipes à vous, c'est quelque chose que vous pouvez proposer tout simplement à vos collègues ou collaborateurs. C'est un petit atelier qui s'appelle les valises et les ballons pour dialoguer au sein des équipes, comme le nom l'indique sur le slide. Et notamment en fin d'année, et alors surtout avec ce qu'on a vécu cette année, ce que je vous propose, Thomas mettra sur le chat le lien vers ce poster pour que vous puissiez le télécharger et l'imprimer si vous le souhaitez. Au pire, si vous ne l'avez pas, vous le redessinez sur un paperboard, peu importe. Et vous allez demander aux équipes de découper des petites valises et des ballons et de noter sur les valises ce qui leur pèse. Ce qui leur pèse au quotidien, qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent voilà, alourdis d'un poids, quelles sont leurs valises, qu'est-ce qui les empêche de bien bosser ou de bosser correctement. Et puis à l'inverse, bien sûr, les ballons, c'est ce qui nous tire vers le haut, ce qui nous motive, ce qui nous fait du bien, ce qui fait qu'on sait pourquoi on se lève le matin ou pour qui ou pourquoi on vient. Donc mettre des mots, verbaliser en invitant les collaborateurs chacun leur tour, ça c'est important, à venir mettre les valises, puis les ballons, parce qu'on termine par les ballons, pour tout simplement parler, échanger autour de qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va moins bien et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ensemble. C'est aussi de l'amélioration continue, ça, hein, c'est de la qualité de relation. Voilà, petit atelier d'1h30, 2h, en fonction du nombre. Je vous déconseille de dépasser 8-10 participants maximum, pour que chacun ait vraiment le temps de s'exprimer. Et puis, ben, la personne qui prend l'initiative de la réunion peut aussi s'exprimer. Par contre, au moment où elle est en posture de facilitation, ben, elle est vraiment en écoute active et sans faire de commentaires à chaud. Voilà, ce petit atelier, il peut sembler tout bête. C'est parce qu'il est tout bête et tout simple qu'il marche très bien et qu'il fait du bien aux équipes pour accueillir les émotions. Voilà. Et Dieu sait si en ce moment, je crois, on en a besoin. Donc, ça peut être en fin d'année, ça peut être aussi en début d'année prochaine pour accueillir la fin de ce cycle et se poser et voir en équipe où on en est. Ça permet tout simplement aussi au manager de comprendre quel est l'état mental de son équipe, où est-ce qu'ils en sont, et puis peut-être
à la marge, d'améliorer des choses tout simplement parce qu'il y a certaines valises parfois qui sont toutes bêtes, toutes simples à améliorer. Une procédure qui bloque, quelqu'un qui est frustré parce que ça fait 3 ans qu'il demande un écran plus grand et qu'il a l'impression de perdre un temps fou sur son écran. Enfin, c'est plein de, on s'aperçoit en fait qu'il y a plein de petites choses qu'on peut régler assez facilement tout simplement en dialoguant. On arrive bientôt au bout, malgré les interruptions de ce temps de partage, mais j'ai quand même encore un petit peu de temps. Et là, je voudrais vous faire un témoignage un peu plus personnel autour de « Je change, nous changeons ».« Je change, nous changeons », c'est l'une des phrases qu'on utilise pour notre événement « La fabrique du changement » parce que nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de grand soir de la conduite du changement. Qu'avant la transformation collective et structurelle, il y a d'abord un changement personnel aussi parfois à opérer pour faire grandir nos managers, pour grandir nous-mêmes, parce que on fait plein d'erreurs et Dieu sait si j'en fais moi-même encore plein. Ce qui a peut-être changé, c'est qu'on met des mots là-dessus en équipe. Et je peux témoigner en tout cas, et je parle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du haut de mes 54 ans et d'un mec assez con pour avoir fait 2 burn-out depuis 20 ans, sur les bienfaits de tout ce qui est méthode de bien-être, notamment la méditation pleine conscience, que j'ai redécouvert moi il y a 2 ans, qui m'a particulièrement aidé cette année dans le contexte, je médite tous les jours. Là, je vous parle de méditation pleine conscience, hein, c'est-à-dire laïque, hein, débarrassée de toute connotation spirituelle. Après, chacun est libre, évidemment, d'y mettre de la spiritualité s'il en a envie, mais de méthodes toutes bêtes, toutes simples, qui marchent, comme la méditation pleine conscience, la cohérence cardiaque, la sophrologie. Tout ça en arrière-plan de la digital détox. La digital détox, refuser à un moment donné de continuer à regarder ses notifications, c'est aussi se faire du bien. C'est retrouver du temps. Du temps pour soi, du temps pour les autres, du temps pour se reconnecter aussi à la nature. Ça peut vous sembler du bon sens élémentaire, mais je pense qu'il y a besoin de le rappeler en ce moment. Et en tout cas, singulièrement sur la méditation pleine conscience, là aussi, comme de par hasard, les pays scandinaves, ils sont décidément bien agaçants, ils font plein de choses bien, régulent aussi plutôt que de faire des punitions pour les enfants, ils les font méditer. Et ça marche plutôt bien. Donc, intéressez-vous à ça. Et nous, on vous recommande particulièrement l'application Petit Bambou parce qu'on la trouve très intuitive, très simple. Alors il y a une formule payante et une formule gratuite, il y a d'autres applications qui sont très sympas aussi, Calm notamment, voilà. Mais en tout cas, découvrez, faites-vous du bien sur Petit Bambou. Dans les modules gratuits, il y a un petit truc qui dure 3 minutes qui s'appelle crise de calme. Et ben, le jour où votre chef a 3 plumes, on a fait un peu trop, ou vous-même vous vous sentez pas bien pour une raison x, y, faites-vous la petite crise de calme, essayez de démarrer, essayez d'expérimenter ça, ça fait un bien fou. Et c'est encore une fois un profil qui a été longtemps pas exemplaire sur tout ça qui vous en parle, plutôt suractif, etc. Et aujourd'hui, ça me fait un bien fou. Et je pense vraiment que ça contribue aussi à la lucidité. Et je connais de plus en plus de managers et je suis assez fier et content d'avoir partagé avec un certain nombre de top managers que j'ai coachés ce goût de la méditation parce qu'ils me disent aujourd'hui qu'à leur tour, ça leur fait beaucoup de bien, singulièrement dans le contexte que nous vivons. Finalement, l'enjeu derrière tout ce que j'ai essayé de vous dire, c'est vraiment un enjeu de libération de l'organisation. Alors, je ne parle pas, moi, d'entreprise libérée au sens où vous l'avez peut-être déjà entendu. Il y a des choses très intéressantes de ce côté-là, mais finalement, le véritable enjeu, c'est l'innovation managériale, l'innovation globale, et c'est de libérer les envies, libérer les énergies, libérer l'organisation. Et il y a plein de choses, en fait, qui peuvent vous guider pour commencer, parce que l'important, c'est de commencer, surtout, d'expérimenter, d'arrêter d'avoir peur d'expérimenter, de lancer des choses. Donc, si je dois vous donner des conseils sur par quoi vous pouvez commencer, très clairement, les réunions et les temps collectifs, à rebooster, à réimaginer. Alors là, formez-vous, lisez le kit de survie en réunion, formez-vous et amusez-vous à vous former, parce qu'il faut retrouver du plaisir dans les temps collectifs. Et arrêter ce théâtre de posture qui devient un peu ridicule. Il y a des images parfois qui me viennent en tête où vraiment, voilà, on a l'impression d'un jeu de théâtre et puis surtout de gens assez frustrés de se dire que il serait mieux ailleurs que dans cette réunion. Donc ça, c'est une des premières clés. Les communautés de facilitateurs et tout ce qui est formation ou acculturation aux méthodes de facilitation qui peuvent nous faire gagner du temps dans le quotidien,
encore une fois, productivité, mais aussi plaisir. Moi, j'associe vraiment, vraiment les deux. Mon propos n'est pas juste de vous mettre de la pression pour que vous soyez plus efficace, mais tout simplement que vous retrouviez du plaisir, parce que c'est avec du plaisir et en ayant retrouvé du bien-être et des modalités de management quotidien différents que vous allez, comme de par hasard, être aussi plus efficace, plus innovant et libérer l'organisation. Donc, vraiment des choses à travailler autour de ça. Prenez, autrement dit, des pilules du changement. Essayez de toute façon. Parce que nos freins, ils sont dans nos têtes. Les freins, ils sont essentiellement culturels. Alors, dans les trois excuses, ce slide, hein, il a 15 ans. Donc, celui-là en particulier, sur les excuses, parce que c'est toujours les mêmes et ça n'a pas changé finalement depuis 35 ans à peu près que je travaille. Les excuses, c'est toujours les mêmes. C'est « Ah, mais monsieur Badenès, on a toujours fait comme ça ». Donc, quand on interroge une procédure ou un machin en disant « Mais pourquoi ce document CERFA est-il aussi moche et machin ?»« Ah ben, on a toujours fait comme ça, oui, d'accord. » Deuxième grosse excuse, alors ça, vous l'entendrez tout le temps, y compris si vous êtes demain des changemakers internes, excusez cet anglicisme, des acteurs du changement, des ambassadeurs du changement qui essayaient autour de vous d'amener notamment vos collègues ou vos managers vers tout ce qu'on a évoqué là, ou au moins en tout cas tenter de les convaincre, de lancer des choses. Vous entendrez sûrement le fameux « j'ai pas le temps ». Soyons bien clairs sur le « j'ai pas le temps », si on n'investit pas du temps pour en gagner demain, on s'en sortira jamais. Et c'est juste plus possible en fait d'entendre ça, parce que moi j'ai, en tant que citoyen aussi, en tant que consultant, en tant que patron, mais aussi en tant que citoyen lambda, j'ai un sentiment d'urgence sur la nécessité à travailler différemment. Donc on ne peut plus s'abriter comme facteur d'inertie sur le « j'ai pas le temps », puisqu'on a tout ce qu'il faut pour en gagner beaucoup. Et rien que sur les réunions, travailler avec le management visuel, travailler avec un peu d'agilité, on sait qu'on peut gagner en moyenne 2 jours par semaine aujourd'hui. Donc, il y a des statistiques, il y a des études là-dessus, il y a des gens beaucoup plus doués que nous qui font le champ normatif pour mesurer tout ça. Et puis, finalement, il y a beaucoup de bon sens derrière ça. La sécurité aussi nous est servie comme un argument de l'inertie. Alors ça, moi, ça fait 25 ans que je me bats contre les DSI, alors pas tous, heureusement, mais contre beaucoup de DSI qui sont souvent à l'origine des blocages ou qui nous expliquent que ça, c'est permis, ça, c'est pas permis, etc. Je vois les organisations françaises choisir des applications américaines au détriment de la souveraineté numérique. Je ne lasse pas de m'agacer parfois sur les choix d'outils qui sont faits. Et puis, très clairement, les arguments sur la sécurité se conçoivent autour de tout un tas de sujets et d'applications, mais il y a quand même beaucoup de petits outils ou petites applications sur lesquelles on pourrait libérer un peu les énergies et les systèmes d'information pour être plus efficace. Là aussi, voilà. Enfin, en tout cas, on ne peut plus nous servir éternellement cet argument-là. On l'a bien vu d'ailleurs avec le télétravail. Ça faisait 15 ans qu'on bloquait tout sur le télétravail et tout est devenu possible tout d'un coup en 3 mois et il a fallu s'adapter. Encore une fois, comme de par hasard, les structures qui avaient anticipé ça et qui travaillaient depuis plus longtemps avaient déverrouillé tout un tas de choses depuis déjà quelques années. Je voudrais terminer en vous encourageant vraiment surtout à vous dire « au pire, ça marche ». Arrêtons d'avoir peur de notre ombre, arrêtons d'avoir peur d'expérimenter. Il y a plein de bonnes pratiques venues d'ailleurs. Il n'y a aucun complexe à faire par rapport aux startups ou aux machins, etc. Il y a vraiment des bonnes pratiques à identifier et se poser la question de qu'est-ce qui pourrait marcher chez nous et surtout le lancer. Donc, arrêtez de voir ces dossiers-là et ces enjeux-là à l'aune du risque. Arrêtons de manager par le risque, c'est plus possible, ça bloque tout. Pour vraiment nous dire, ben, on va se faire confiance, on va expérimenter, on fera des évaluations, bien sûr, on fera des débriefings, etc. Mais d'urgence et de grâce, levons les peurs et surtout cette formidable capacité d'autocensure qu'on a développée à force de fermer nos gueules, en fait, hein, puisque ça fait longtemps qu'on nous dit, en gros, d'appliquer, voilà, etc. Et tout d'un coup, là, on nous dit, eh ben, vous pouvez innover, libérer, initier des choses. Donc, voilà, on a un gros travail aussi, je crois, à faire sur le niveau d'autocensure pour se faire confiance et faire confiance aux autres, tout en appliquant le droit à l'erreur. J'insiste là-dessus, et ça, là-dessus, c'est peut-être là-dessus que les managers doivent être exemplaires pour être alignés, pour valoriser ce droit à l'erreur. Donc, quand vous avez en interne des gens qui vous disent « attention, oui, danger, machin », dites-leur souvent en vous amusant, au pire, ça marche.
Pour terminer cet échange, je voulais vous terminer en vous donnant d'autres petites vitamines mentales et j'espère des sources d'inspiration avec quelques références. De toute façon, donc vous aurez ce diaporama complet qui va être diffusé et vous pourrez accéder à tout ça. Comme je veux quand même laisser du temps pour quelques questions, je ne vous commande pas tout ce qu'il y a là, mais quand même quelques bouquins que je vous conseille vivement, notamment le petit traité d'écologie personnelle. J'ai commencé avec un visuel sur l'écologie personnelle qui était directement pompé sur l'excellent bouquin de mon confrère Anthony Priou, que je vous conseille. C'est une boîte à outils formidable pour se faire du bien. Ça peut se lire même en famille. La confiance bordel, je vous en ai parlé. Le guide de survie en réunion aussi. S'il y a un bouquin à lire là-dedans, je pense vraiment que le Reinventing Organization, qui malgré son nom, est un bouquin écrit par un Français en français et illustré avec de la facilitation graphique, est un très bon bouquin pour imaginer les organisations de demain. Et puis pour le clin d'œil, Objectif Zéro Salcon est très drôle, est un bouquin américain qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis il y a quelques années. Il a impacté directement les 100 plus grosses entreprises américaines qui, sur la base de cette étude psychosociologique, se sont mis à essayer de dépister les pervers narcissiques manipulateurs, parce que tout le monde s'est rendu compte que ça coûtait beaucoup trop cher aux organisations en termes d'absentéisme, de démotivation, de désengagement, etc. Donc, ils se sont mis à chasser, entre guillemets, c'est à l'américaine, hein, ce type de profil trop toxique. Et tout simplement, derrière, le discours, c'est de dire, voilà, parlons-nous mieux, soyons bienveillants les uns envers les autres, ce qui n'empêche pas, encore une fois, de s'engueuler. Donc, j'ai plein de références et puis trois petites vidéos quand même. On a une chaîne YouTube à la Fabrique du Changement où on a filmé depuis plusieurs années tous les conférenciers et les pointures qui nous ont fait l'honneur de visiter la fabrique et d'intervenir. Donc, je vous conseille notamment Serge Marquis qui est plus qu'un intellectuel québécois, c'est devenu un ami dans la vie qui est excellent et qui nous parle de sens et de reconnaissance. S'il y en a une à regarder, c'est celle-là. Là aussi, n'hésitez pas avec ces références-là à organiser en interne, pourquoi pas, une projection ou à le voir en équipe pour discuter ensemble. Sans ces reconnaissances de Serge Marquis, donc à retrouver sur notre chaîne YouTube, L'école tuer la créativité de Ken Robinson. Qui est mort, hélas, il y a quelques mois au début de l'année, et qu'on aime beaucoup, et qui nous parle d'innovation pédagogique. Et puis, le management repensé par l'anthropologie, le don et le contre-don de Jean-Édouard Grésy, que je vous recommande aussi chaudement, parce que il est important aujourd'hui que les sciences sociales réinvestissent le champ du management, puisque les histoires sont d'abord des histoires humaines. Voilà, un grand merci à vous. Les conditions n'étaient pas faciles. J'espère que vous vous y retrouverez, notamment dans le replay. On a tous fait du mieux qu'on pouvait et je sais que vous ferez du mieux que vous pouvez demain pour, chez vous, expérimenter, lancer des choses, essayer en tout cas. Et je serai ravi. Peut-être qu'on pourra poursuivre des échanges et des contacts demain. On vous a mis d'ailleurs à la fin du PowerPoint nos coordonnées, si vous avez envie de garder le lien ou d'être nourri. On a une newsletter qui s'appelle Le Fil Bleu, qui n'a pas d'autre vocation que de faire du bien, normalement, poser sens, en tout cas de donner du sens. Et puis, voilà, vous pouvez aussi échanger avec nous ou témoigner, tout simplement, nous faire des retours d'expérience des expériences que vous allez lancer via LinkedIn ou d'autres choses. Voilà. Un grand merci, en tout cas, pour votre écoute. Merci, François, à toi pour... cette conférence qui a été un petit peu perturbée, hein, comme on l'a vu, par tous ces aléas techniques. Donc, ce qu'on a dit aux personnes qui ont dû nous quitter, faute de possibilité de t'entendre ou de voir le PowerPoint de manière fluide, on a dit qu'on laisserait le temps du replay, que les gens puissent visionner le replay, puis qu'on trouverait le moyen de récupérer l'ensemble des questions et de trouver un format qui va bien pour que qu'on puisse revenir dans cet échange qu'on aurait bien aimé pendant ce temps de présentation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions quand même néanmoins ou pas? Thomas me fait des signes, c'est pour ça que je me permets. Alors non, je voulais juste partager pour le coup donc un partage de Franck d'une citation de Woody Allen. Si vous n'échouez pas de temps en temps, c'est que vous ne faites rien de bien innovant. Acceptez donc bien de se planter et avoir le droit de le faire est une prise de risque à prendre sûrement. Merci Franck pour cette citation de Woody Allen sur le risque et l'acceptation du risque. Et puis il y a eu un deuxième retour d'Hervé
Donc là, c'est en début de conférence. Peut-être que Hervé n'est plus parmi nous. Mais sur la question des 94% pardon, des personnes qui sont désengagées, ce chiffre a détonné. Il était vraiment très, très étonné, ce chiffre-là. Oui, le chiffre du désengagement est assez étonnant. Nous aussi, on l'a pris en pleine figure quand on a découvert et surtout quand on a commencé à se comparer aux autres pays. Alors, il n'y a pas de pays où il y a 90% d'engagement et où tout le monde se sent bien dans ses pompes. Hein, c'est de la mythologie, mais quand même, c'est quand même le signal de quelque chose. Et en plus, ces chiffres-là datent bien d'avant le Covid, hein, sont bien avant les crises. Ça fait déjà quelques années que ce chiffre baisse. C'est tout l'enjeu finalement des méthodes qu'on recommande et des postures qui sont à travailler, c'est de renforcer cet engagement et de renforcer notre propre engagement à chacun aussi finalement, parce que c'est aussi en faisant et en expérimentant que, comme de par hasard, on renforce l'engagement. Juste, je voulais conclure en disant que il y a un certain nombre de méthodes et de techniques ou de postures dont tu as parlé, qu'on essaye de relayer, nous, à la PFRH, déjà depuis 2 ans. Et on a le plaisir de travailler avec les artisans du changement, WorkLab, l'atelier Chaman, et maintenant François, pour un certain nombre de sujets. Et c'est pas fini. Et on est ravis, enfin, en tout cas, moi, je suis ravie d'avoir croisé ton chemin il y a un an et demi à la Fabrique du Changement, parce que je pense qu'on partage beaucoup de perspectives d'accompagnement de la transition, de la transformation. Donc, n'hésitez pas aussi à consulter l'offre que la PFRH peut vous proposer, puisque on essayera avec des partenaires de vous accompagner dans la transposition de tout ça. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci. Juste un tout petit mot, Karine, excuse-moi. Oui. Merci déjà beaucoup pour ce que tu viens de dire et le plaisir est partagé de la rencontre. Il y a juste une remarque sur le chat à laquelle vous donnez une réponse. Serait-il possible d'envisager un échange par chat ou par mail ou webinaire si j'ai des questions à l'issue du visionnage du replay ? Moi, je suis OK en service après conférence pour refaire une petite séquence d'une demi-heure ou trois quarts d'heure d'échange si souhaité. Je sais pas, dans 10 jours, 15 jours ou 3 semaines, le temps que les collègues et les collaborateurs aient pu suivre le replay éventuellement. Donc, s'il faut refaire une petite séance d'échange de questions, ça sera bien volontiers dans un format à définir, mais bien volontiers, parce que c'est frustrant de ne pas plus pouvoir contribuer maintenant. En tout cas, un grand merci à tous et merci beaucoup, Karine, de ta confiance et voilà, de ce premier temps de partage. Merci à tous et puis bon appétit et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.